مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مجددا في لقائنا هذا المساء. استضفنا بكل فرح وسرور الأستاذ السيد عبد الساسي ونشكره كثيرا على قبول الدعوة. اليوم السيد عبدي رح يتطرق الموضوع ربما يبدو في البداية شائك لكنه ممتع، وسيعرفنا عن حيثيات اسم تداول في مؤخرا كثيرا بين الجزائريين، البعض استعمله للشتم، الآخر للتساؤل، لكنه يبقى جزء من تاريخ بلادنا العزيزة. و قررنا اليوم أن نغطس في العمق في هذا الموضوع ونتعرف عليه مع قمة من قمة الباحثين تاعنا في الجزائر. اليوم جانا من بيتنا من الأوراس. مرحبا سي عبدي، نعطيك الكلمة، ممكن تزيد تضيف كلمة، تعرف بنفسك أيضا وتحيي كل من المتابعين تاعنا. شكرا. شكرا على استضافتكم لي للمرة الثانية، وسأحاول أن أجيب على بعض الغموض، وهذا لا يعني أنني متمكن من حقيقة الحقيقة، لأن أرسطو يقول الحقيقة تتراءى داخل المغارة كشبح، وحين نريد أن نلمسها فلن نتمكن منها، لذلك نبقى في طريق البحث عليها، وذلك هو أصل لا ريزون أن دار لا فيريتي. لا ريزون في با في لتينيرار دالي لا فيريتي مي ني با توتالمون لا فيريتي. صحيح، يبقى الاجتهاد واجب على كل واحد منا، وتبقى الحقيقة نسبية لكن الاجتهاد يبقى شيء محبب. اليوم معنا إنسان باحث يجتهد كثير في البحث والتساؤل والمحاولة في إيجاد الحقيقة. كما قلت من قبل، اليوم موضوع حتى البعض من المتتبعين تاعنا يعني ضحكوا على العنوان وقالوا لنا هذه المحاضرة راح تمر في أي قناة من القنوات الجزائرية. إذا راح نحول الكلمة اليوم باش فقط نوضحوا للمتتبعين تاعنا أنه راح يكون بحث، راح يكون عمل علمي بالوثائق، عمل موضوعي عن تاريخ الزواف. ما معنى كلمة الزواف؟ من هم الزواف؟ هل كانوا موجودين قبل وجود الاستعمار الفرنسي؟ متى ظهرت هذه القلوب الفيلق لباطايون فيلق تاع الزواف؟ متى تم إنهاء مهامها؟ إلى آخره. كل هذه الأسئلة تكون مع السيد الباحث سي عبدي ساسي، ونعطي الكلمة للشهرة. شهرة عندها كلمة بالإنجليزية، لأنه أيضا نحب ننبهكم أنه معنا كثير من الأصدقاء إنجليزيين يتبعوا فينا باهتمام كثير، لأنهم يهتموا بالجزائر، ثقافة الجزائر وعاداتها وتقاليدها. تفضلي الأستاذة شهرة بكلمة بالإنجليزية. شكرا لك. شكرا. Good evening to all. In the context of general culture and education. Interest in knowing better our history. And today we are going to learn more about the history of Zouaves. Zouave is a French word from the Algerian dialect, Zouawa. The Zouaves are military units created in Algeria, and many articles suggest that they come from Kabylia's region. Few others say they were created under the Ottoman control of Algeria. And if this is the case, why were they recruited from the region of Kabylia, which wasn't an Ottoman beylik
like the east and the west of the country. Others said that the Zouaves were created in 1831 after the French occupation. But if that is the case, they can't be from Kabylia, which was only conquered in 1857 after the defeat of Lella Fatmentsoumer and the revolt of Si Amqran and Si Haddad in 1871. Hopefully, we will have some answers to our questions today. Zouaves were known to possess a very strong infantry and cavalry. Les tirailleurs algériens were among the most decorated units of the French army. Once the army was made, the French later described them as being Algerian Jews in the hopes to create separation within the people. Regarding their beliefs, later, declaring that only few indigenous were affiliated to retain the success of the Zouaves to French army credit. The Zouaves succeeded in many wars they had fought in different parts of the world, like France, Italy, Vietnam, Spain, Prussia, and other regions under the French army, which was made of Algerians from Muslim and Jewish communities. In reality, the only French that were in these units were the chefs in command, and all the soldiers were Algerian and few Tunisians. In the history of fashion, Zouaves have been somewhat special, attracting a great deal of attention with their style, such as decorative jackets with designs on their backs and wide pants, inspiring multiple designers such as Emile Hermès collection. Their colorful uniforms also made a great influence of military uniforms in many countries, like the ones in Northern America. The Louisiana Zouaves military units are known to celebrate this style of uniform to this day. The Zouave uniform became a fashion in many countries, and today we talk about Zouave jacket and pants across all the areas of fashion. Lately, during the Hirak times, people in Algeria were called Zouaves as an insulting term to people from Kabylia, and once more to create division within the protests and people, just like how France managed to succeed within the past. Today, our guest, Mr. Abdi, will share his knowledge on this topic, and hopefully this will help us all to understand this issue, which is not known or discussed enough about within society. Marhaba bik, Ustad Abdi. Thank you, Sharaza. Thank you. Thank you very much for the presentation that you have made sur la question. Thank you, Shahara. And now I'm going to start with our first question to Mr. Abdi, and it's going to be in Arabic. سيد عبدي, ما هي الدوافع وبالأحرى ما الذي جعلك تهتم بشدة بهذا الموضوع وجعلك تبحث حيثياته لمدة شهور وربما أكثر؟ نعم, لك الشكر على هذا السؤال, وهو سؤال وجيه من حيث البحث في عمق الموضوع. اهتميت بكل ما هو ليكوز ناسيونال, بكل ما هو يعني عمق الوطن في كل مبادئه, ومن ضمن الأمور هو البحث عن الوحدة الوطنية, والبحث عن التنمية, والبحث عن الحقيقة, ولو الحقيقة لا تدرك بالموسى كما قلنا, ولكن البحث هم على الجوانب التي تسعدنا والتي تنمي عقولنا وأفكارنا وتجعلنا طموحين في هذا الوطن وطموحين من أجل مستقبل زاهر لكل البشرية في كل ربوع الكرة الأرضية. من ذلك من اهتماماتي الكبرى التي جعلتني أهتم هو النقد السلبي الذي وقع في الموضوع بدل أن يكون تناول علمي موضوعي في الأمر. لهذا أقول في فقرة قصيرة, عاش من عرف قدره لا تنهى عن منكر وتأتي مثله, عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا قول شاعر معروف لدى الجميع. في الأمازيغيين يعني فإذا فعلت عظيم, في الأمازيغيون المدركون الواعون والمثقفون يمقتون القومية بكل أشكالها القومية, ويناضلون فعلا من أجل الموضوعية والعلمية والإنسانية
لاسترداد حقهم في أوطانهم وتاريخهم وتاريخهم المجيد وتحرير شخصيتهم المشلوبة والمنتهكة بالتزوير والاعتداء عبر التاريخ. ومن لدن جميع المستثمرين الظالمين باسم الحضارة والدين منذ الفراعنة والفينيقيين إلى يومنا هذا، وذاك هو الحق اليقين، وهو الذي نناضل من أجله ما دمنا أحياء باقين. وشجرة الزيتون مهما قطعتها فإنها تتجدد من جذورها، وهذا أمرنا وهذا أمر تمزغة وأمازيغيتنا. لذا نبحث عن حقيقة أمرنا ضد من يريد أن ينتهك عرضنا ووطننا وتاريخنا وحقيقة وجودنا القديم والحديث عبر الأزمنة والعصور. شكرا السيد عبدي على هذه المقدمة التي يعني في الحقيقة نقصتني كثير. راح ننتقل إلى السؤال الثاني، وسيدور حول كلمة أو لفظ زواف في حد ذاته. هل هذا اللفظ أو هذه الكلمة أو هذه المفردة كلمة زواف متصلة فعلا، علىها علاقة فعلا بدخول الاستعمار الفرنسي للجزائر في 1830؟ وإلا ما أصل تسميته، ما رده قبل، وما يعني دخل قبيلة زواوة في المشكلة المشكلة به، يعني وش هي العلاقة؟ شكرا سيد عبدي. تشكرين سيدتي على هذا السؤال، وهو سؤال في عمق الموضوع وله رأس وله قلب وجسم وتواجد في حقيقة الأمر، ومن هنا يبدأ البحث في الموضوع. حقيقة زواف ككلمة، هنالك من يعتقد من الأغبياء أن أصلها جاءت من كلمة سيف وسيوفة وسيافة اللي هو لصبر ولا لبي، وهذا خطأ لا علاقة له مطلقا بالحقيقة اللغوية العربية. وهنالك من يرى أن أصل زواف جاءت من زحفة ريربتيل، زحف يزحف زحفا عطت زواف، وهذا في بعض الكتب التي نشرت حتى في 1870 و80، وهذا خطأ كذلك لا علاقة له بالأمر، وسنثبته من التاريخية واللغوية. ولكن اللغوية هذه كذلك كلام كان الأول هو من نقول الأغبياء، في الجزء الثاني الذي يرى فيه الزحف كذلك من البلدة. C'est des paresseux et des idiots qui voient la chose et la question et l'étymologie et la toponymie de Zouav dans le sens de Seif en arabe ou bien dans le sens de Zahata comme les reptiles et leur acte et leur action. Donc il est totalement faux linguistiquement. Revenons maintenant à ce qui est historique. C'est là où la question elle est d'importance. Certes que les documents français officiels même parler que Zouave, il est lié un peu directement à l'appellation de Zouawa. Et le pourquoi de la question situe une certaine politique dans le temps avec Clausel qui a grillé ce corps de l'armée française, l'un des corps avec Spahi, avec les tirailleurs, avec les canonniers et l'ensemble. L'un des corps, c'était bien Zouawa. Il a voulu qu'il soit comme ça rapproché, tout simplement pour gagner la confiance des Kabyles qui étaient les plus nombreux dans ce corps. Et voilà, et c'est tout. Il a dit que nous avons créé cette armée. En réalité, il existe un peu avant que ça, et ce n'est qu'un mensonge politique qui ne peut se positionner dans le sens administratif et militaro au détriment de sa vérité historique. Je vais en revenir à ce qui est historique. Maintenant, parlons du mot. Comment qu'il a été utilisé? Donc, c'est par les documents français eux-mêmes qui ont trompé beaucoup, et de là découle le sens de beaucoup d'Algériens, soi-disant intellectuels ou pouvoir et autres, l'avaient utilisé dans la même signification. Mais en la vérité, il est ailleurs. Je reprends maintenant ce qui est de la vérité historique. Certes que le document parle que Clausel, connu après de Bourgmont, c'était Clausel qui est venu comme général, il a crié ce corps vers le 10 octobre 1830. Il est vrai aussi qu'il y avait un nombre important
de Kabyle, et je vais en parler de ça, de Zouawa particulièrement, puisque Kabyle a un peu ses dents aussi. Donc, de Zouawa, on avait un nombre important, l'idée dans tous les textes de la création de ce corps et dans toute l'archive coloniale, mais quel était le nombre? Il n'était que 1840 personnes, et c'est tout. Il était créé vers 10 octobre, en allant entre octobre, novembre, décembre, et en mois de janvier, avec les maladies dont il s'était fait attraper du côté de Média et de Blida, en allant dans les montagnes de la classe blidien. Il s'était rentré sur Alger, complètement épuisé, et de là découler une autre politique d'aller à rectifier le tir et à créer le corps, à revoir le corps dans le sens de la composition. Et au mois de février, effectivement, on a créé un autre décret qui portait le sens de rectificatif, tout en mettant un Algérien, je dis bien indigène, pas forcément de tel ou tel, puisque le corps des Zouaves au début, certes que le nombre important était Kabyle, était de Zouawa, mais il y avait des nègres, il y avait aussi convertis, soi-disant des moules, des Congolais. De là, la vérité de rectificatif était de créer un Algérien, de supporter dans le nouveau corps un Algérien et un Français, beaucoup plus, sinon un Européen, en deuxième position, articulés ensemble, et chaque, c'est comme accouplé, l'indigène avec l'envahisseur. Pourquoi? Puisque celui-ci va leur apprendre le terrain, il est le plus résistant, et l'autre, c'est lui qui vient avec le sens d'honneur de la patrie française pour prendre l'Algérie comme colonie. Voilà. Donc, mais là, il y a un problème. Si la France avait créé cette loi au sens d'ajuster un peu, si d'aller par la suite à finir avec ce corps, ou bien à écarter tous les indigènes d'une manière intelligente, c'est-à-dire profiter au début d'utiliser les Algériens sur les zones abruptes, sur le relief accidenté, et sur les zones les plus difficiles, c'était la Kabylie. C'est pour cela qu'on a utilisé les Kabyles. Et puis ils le reconnaissent dans le texte clair, dans les zones abruptes de Djurjura et d'Izouawa, qui étaient de bravoure, qui étaient sincères, qui étaient, à travers l'histoire, les grands héros. De là découle le sens d'avoir recruté un nombre important des Kabyles. Mais le pourquoi, je vais en venir pourquoi les Zouawa étaient nombreux aussi. Il y a 4 ou 5 moyens, ou bien motifs qui ont poussé, les causes qui ont poussé les Kabyles. Commençons par le commencement. Il y avait un certain Ben Zaboum qui était à la tête des Kabyles, qui était venu de la Kabylie une fois que Hussein Dey avait demandé aux trois hommes constantinois le titri, les trois étaient ordonnés de ramener toutes leurs forces pour défendre en résistance contre les Français chrétiens qui viennent colonialiser l'Algérie. Et avec le Mersin d'Alger, bien sûr, la tête, si on veut, la défense d'Alger. En Alger, les Kabyles, les Turcs n'avaient que 3900 soldats dans l'officiel. Ils avaient la possibilité de mobiliser au total pas plus de 15 000 de l'Algérois. De là, l'appel à d'autres zones était d'importance, était sérieux, était donné comme ordre. Les Kabyles étaient venus avec un nombre d'entre 6 000 et 7 000 sur Alger. Le Constantinois avec Hamdebey, c'était à peine 3 000 soldats, dont 300 étaient des cavaliers de Oulet Abdennour, une tribu de Oulet Abdennour qui était entre Constantine jusqu'à l'Elma, à nos jours. C'est une tribu berbère, Chawiya, à 80%, et puis Kabyle aussi, avec Zuljura, c'est la tribu qui relie tout le monde, avec 2 fragments de Senhaza, qui est composé aussi dans Oulet Abdennour. Et 2 autres fragments de Koutama, qui est composé avec Silibni Mhenna, et une autre tribu qui est composée aussi comme Koutama, à l'intérieur de cette grande confédération de Bni Abdennour, qui se positionne entre Constantine, même à l'intérieur de la ville de Constantine, depuis le temps à nos jours, jusqu'à l'Elma. Cette grande tribu avait fourni seule 300 cavaliers avec les Tlarma. Tlarma, ce n'est pas un village à l'origine, c'est une tribu
Là, il existe sur un document, je vais le donner par la suite, si vous voulez, sur la revue africaine, donc le tome 42 ou quelque chose comme ça, je vais en revenir. Non, sur le recueil, pour ce qui est de la tribu d'Aoulet Abno, c'est le recueil, note archéologique, vers la page 400, si je me rappelle, de tome 8, recueil, note archéologique 1864. Voilà, pour ce qui est de la tribu, pour connaître ses vraies racines et comment. Donc, il a fourni seul 300. Sur 3000 qu'il a donné, Ahmed Bey. L'Oranie, on ne connaît pas le nombre juste, il n'aurait pas dépassé les 3000. Donc, c'est l'Algérois, et par le sens de la densité de population, et tout le monde connaît que la Kabylie seule, il faisait, dans les années 62-64, plus de 220 habitants au kilomètre carré. C'est l'une des zones les plus peuplées au monde, comme zone, pas comme ville. Hein. Ne parlons pas des villes, je parle de zone. La Kabylie, la grande Kabylie particulièrement, aussi bien avec la petite. Donc, de là, le sens de la Kabylie dans la participation était dans l'obligation, et puis par la croyance dans les Kabylies sérieux, dans la religion contre les barbares, contre les Amazirs, ils ont voulu tout faire contre un étranger qui vient les colonialiser, puisqu'ils avaient vécu déjà à Alger et les villes de la côte avec le retour des croisades, de l'Espagne, c'est-à-dire les morts, M-A-U-R-E-S, c'est les morts qui étaient de retour sur les villes de l'Afrique du Nord. Et la Kabylie avait vécu beaucoup plus l'événement par le royaume de Koukou, à Tizi Ouzou, à Bijaya, à Jijilé, à Alger, le royaume de Koukou, des Mourabitines, qui étaient de retour de l'Espagne, qui a donné une autre création d'un État, c'est comme un État de gouvernance dans la zone. Et puis les gens avec les arts et les métiers de retour de l'Espagne étaient assez forts. Ils avaient donné de la peinture, ils avaient donné sur pas mal de métiers, tels que les bains morts, qu'on appelle les bains morts, dits aux Espagnols, enfin aux Berbères, au grand sens des dosages, et tôt, c'était des barbares avec peut-être quelques éléments arabes, c'est tout. C'est les barbares qui étaient en Espagne avec un différent qu'ils avaient et des guerres fratricides qu'on avait vécu comme ici et ailleurs en Espagne. Eh ben, le retour là des croisades qui a permis entre la France et d'autres pays, l'Italie, l'Espagne en tout, en coalition chrétienne contre les musulmans, avait fait réussir la question en deux, le janvier 1492, a quitté l'Espagne, était chassé pour venir sur l'Afrique du Nord. Donc les Kabyles et la zone de l'Algérois qui avait vécu l'événement avec un sens de lourdeur, un sens tenant et un sens de consistance, il l'avait dans la tête. Et de là découle, et de là, il y a une vérité que les Kabyles, par l'histoire, que par ce phénomène-là, voulaient défendre Alger, leur ville, leur zone, leur région. Ils étaient 6000 ou 7000 avec Ben Zemmour. Et avec Ben Zemmour, mais aussi, il y a un certain Oukassi, Mohamed et Oukassi Ben Qassem, qui étaient d'Alger Centre, qui étaient des Kabyles d'Alger Centre, puisque Alger Centre, autant des Turcs à l'arrivée des Français, il y avait au moins une quatorzième proportion totalement Kabyle. En plus du mélange qu'on avait avec d'autres tribus, l'Algérois. Et puis on ignore beaucoup que l'Algérois, les montagnes de l'Atlas blidien et les alentours d'Alger étaient appelés Chaouia. C'est pas Kabyle, là c'est étonnant. Les gens ne connaissent pas ça. Ils les appelaient, ne veut pas dire qu'ils le sont. C'est l'appellation, puis l'appellation Chaoui Kabyle n'était donnée que récemment. C'est la France qui avait amplifié les appellations arabes données par les Arabes en Afrique du Nord, Rifi, Chelmi, Chaoui, Chenoui, Kabyle, Chaoui. Vous voyez à peu près ça. C'est comme les Chaouiettes qui s'appelaient du côté de Tlemcen, étaient totalement, à l'arrivée des Français, étaient appelés Chaouia, sauf la ville de Tlemcen. Le total général de la région de Tlemcen était appelé Chaouia. Donc, revenons un peu à l'Atlas blidien avec son dialecte, avec les Chnawa et leur dialecte. Lorsqu'on les rajoute avec les Kabyles, dans la défense d'Alger et la résistance à Alger, ils sont dans l'ordre de 70 ou 80%. De là, comment veux-tu qu'il n'y aurait pas un nombre de Kabyles nombreux par rapport aux nègres, par rapport à d'autres éléments? On avait un peu du Sahari, il faut le dire comme il est, du Sahara, oui, du Saharien, qu'on appelle Saharien, aujourd'hui on l'appelle Sahari, qui était du côté de Chefa, du côté de l'Afroul, du côté de, voilà, c'est l'ouest de la Métidja, l'ouest de Blida actuel. C'est là où il y avait un peu des arabophones. De la tribu de Sahelba, on avait les Mzeta,
les anciens Mzata d'Alger, de parmi Bagazoun, Azoun, ce n'est qu'une tribu, une fraction de Mzata de Libye, qui est venue de l'Égypte vers Libye, vers Qirawan, puis il s'est installé à Alger. Le total là donne directement la lecture que les Kabyles étaient la force numéro une de toute la question et de toute l'attaque et de toute la résistance. Et puis maintenant, revenons à ce que si la composante est comme ça, le pourquoi qu'une partie était partie. Constitué par la suite, en mois d'octobre, les Zouaves. On va répondre à cette question. Tout en revenant un peu en arrière, à la grande bataille de Stawali, l'établissement qui composait le devant de tous les guerriers, voulus par les Turcs et voulus par le sultan, Hüseyin, en les avançant pour qu'ils soient massacrés et pour qu'ils gagnent à notre détriment la stabilité et la gouvernance à l'infini. Le monsieur voulu écarter un peu la France de ce qui était d'ici, puisqu'il y avait d'autres lycées auparavant, vers 1600, 1700, du colonialiste français, donc il ne voulait que ça. Bin Zemmour et ses camarades de toute la Kabylie, il avait pris la chose avec force. Mais le malheur de la question, c'est que Hüseyin Dey, Bassaoui, Bassaoui, avait donné des promesses, des fausses promesses à toute la Kabylie et à toutes les armées, en disant qu'on va vous encourager, qu'on va vous permettre les finances, le moyen matériel, les armes, l'ordre nécessaire et le tout ce qui est denrées alimentaires, et on va vous permettre quand même toute la stabilité, toutes les tenues, tout ce qui est nécessaire, et en défendant avec nous la raison. Mais lorsque la vérité s'est engagée, la guerre s'est engagée envers Stawali, il n'y avait aucune promesse qui a été tenue par Hüseyin Dey. Si le monsieur était égocentriste, il ne cherchait que ses fortunes et de gagner. Peut-être qu'il a contracté dans le discret. La preuve, elle est là. C'est lorsque la France reconnaît Hüseyin Dey à Alger. On n'a pas besoin que Alger, un quart d'Alger soit appelé Hüseyin Dey, un grand quartier d'Alger au nom de Hüseyin Dey. Si c'était pas Hüseyin Dey qui était le traître de la question, et la preuve, elle est là. Les Turcs étaient venus, les grands Turcs militaires, je parle. Je ne parle pas de gouverneur de Hüseyin Dey, mais je parle aussi du gouverneur militaire. Les militaires étaient venus voir les têtes des Kabyles en pleine bataille de Stawali en leur disant « Monsieur, retirez-vous, on n'a pas besoin d'attaquer la France. C'est Hüseyin Dey qui veut vous tromper au nom de la religion et au nom des croisades. Défendre la religion de l'islam, c'est pas par cette manière. Seulement, il veut se maintenir au pouvoir. Ce mec-là, vous étiez les plus touchés de l'Algérie et dans la Somme, d'autres, avec son pouvoir qui était néfaste, qui était négatif, qui était nocif, qui vous a emmerdé, vous a toujours touché profondément dans vos propriétés, dans votre dignité sociale, sociale, sociétale. Donc voilà, nous on veut pas de ce mec, on veut l'écarter. Si le moment, l'occasion se présente, on n'a qu'à lâcher. Et vous devez le faire avec nous, sinon « هذا ضعف القرار وضعف القدرة على الفعل بالاستمرار » Il faut faire avec nous. Les Kabyles quand même donnaient l'oreille, mais ne voulaient pas venir carrément avec eux. Et la deuxième question qui venait juste après, c'est qu'en plein bataille, un mec de l'armée turque coupe la tête, il a mutilé, il a coupé la tête d'un Kabyle en plein air et devant tous les Kabyles, rien que pour les amener en effervescence vers un sens de bouleversement interne, psycho-militaire, pour qu'ils... la lassitude, ils deviennent un peu épuisés par cet acte soi-disant qui n'était pas du tout humain, voilà, qui n'était même pas dans le sens de cruauté insupportable, les Kabyles commençaient à lâcher. Le troisième point, c'est lorsqu'on les a mis dans l'avant-garde morte, soi-disant la plus difficile. Quatrièmement, sans denrées alimentaires, ni moyens financiers, ni moyens de guerre, ni armement, les Kabyles, avec le nombre, n'arrivaient même pas à se défendre. Et avec toute la bravoure qu'ils avaient, ils n'avaient même pas comment faire devant. Et puis, avec une mobilisation qui était beaucoup plus rapide, précipitée, sans qu'ils soient des militaires professionnels. Et toutes les armées, qu'elles soient de l'Est, de l'Ouest, ou celle de la Kabylie, l'ensemble des armées avec les Turcs, qui n'étaient même pas 3900, et les Zmoul et les Koulourli, l'ensemble n'arrive pas à défendre la raison puisqu'ils étaient déjà dans l'hétérogénéité. Je prends un cas d'exemple. Lorsque
بني عبد النور إطلاق ما إتليزين من نميرو أ أو 1780 دو نو 1825 كونتر أحمد باي ويزيتي دي كوتي دو إبراهيم باي بار كونتر الإسحاري par le rapport social qu'il avait Ahmed Bey avec son neveu, avec tout d'abord son beau-frère, Mohamed Al-Haj Ben Gana, Mohamed, le père de Ben Gana, l'autre le connaît. Donc il l'a rapproché, le monsieur lui a ramené des tribus du Sahara. C'est même Sahari, il venait du Sahara, c'est tout. Ils ne sont pas arabes, c'est par l'appellation des tribus sahariennes. Ils les ont ramenés, ils leur ont donné, confisquant les terres d'Ibn Abdel Nour et d'Ibn Lagma du côté entre Batna et Constantine, on leur a permis ces terrains. Aujourd'hui, ils les ont entre leurs mains. Même avec l'arrivée des Français, ils ont fait des colonies de tout et de tout et de tout. Et par la suite, voilà, comme on a rapproché un bloc contre l'autre. Donc, Abdel Nour et Ibn Lagma étaient les opposés de guerre contre Ahmed Bey. Comment ? Avec la défense religieuse et le sens de la dignité, il s'était engagé avec Ahmed Bey, était venu sur Alger défendre. Mais au fond du bloc, il n'y a ni un arbre. C'est la baraka du bon Dieu qui a donné une certaine liaison, mais ce n'est pas une liaison de perpétuité, c'est une liaison simple, mais comme la colle et le scotch. Donc à simplifier, matériel, ils peuvent se subdiviser les rangs. Voilà, en Kabylie aussi, c'est des tribus qui étaient, chaque tribu, il vivait son, sa propre autonomie. Et lorsque les Ouawa aussi, Ibn Zamoum arrivaient à les réunir, c'est au nom de la religion. Mais lorsqu'on voit les vrais qui devaient défendre l'Algérie, c'est l'armée turque qui lâche, qui se délaisse, comment veux-tu que le Kabyle vient de distance, il vient avec des difficultés et privations de tout, il n'arrive même pas à avoir son arme, il défend encore la raison. Mais il n'a rabbi, mais je donne la langue au chat, que ces Kabyles-là arrivaient à défendre en plein, et ils avaient défendu effectivement, au maximum. Puis c'était les dissidents de tout corps qui avaient divisé les rangs, les Kabyles étaient rentrés sur Gergera, mais en rentrant comme les autres corps, sur Constantine, sur Lorès, sur Titri, sur Oran, tout le monde a quitté les lieux après Selim al-Mftah. Lorsque la clé a été donnée par Hussein Dey dans un pacte qu'il a signé avec la France officiellement. Les gens se retiraient dans leur zone pour défendre ailleurs. Je vais défendre ma zone, mais je ne vais pas défendre le staff et le fond de la politique du pouvoir à Alger. Et en se retirant, les Koulouris étaient engagés par les Turcs pour ramener avec force les Kabyles qui étaient de retour, du chemin de repli. Effectivement, il y avait des guerres, des attaques, des wahats entre les deux côtés, du côté Wadisr, et du côté de Borjmneil, et du côté de Ain Bniyan. Du côté de Yisr, donc ici du côté de Zawiya, j'ai oublié un peu le nom, en allant vers Tizouz, voilà. Donc voilà, et puis il y a autre chose, en plus de ça, c'est que les Kabyles, lorsqu'ils voyaient que les Turcs, en perdant la guerre de Stawali, 11 casernes à Alger, Zmela, une grande partie de Turcs officiers quittaient les rangs des Turcs pour aller directement se rendre à l'armée française. Vis-à-vis de Sadi Kabyle, il avait compris que l'armée turque, qui va être une partie de l'armée française, va les saccager, les massacrer comme ça a été dans l'histoire turque, donc de nouveau. Ils ont pris ça comme moyen de se défendre. Ils étaient allés aux Zouev rien que pour avoir une force d'acre à l'intérieur de l'armée française. C'est pas égal, mais l'une des forces paravées par la qualité. Ils ont donné un petit nombre qui est le leur, 1840 soldats, devant toute l'armée turque qui était venue du côté de la France. 1840, si on s'admet que le nombre était la majorité kabyle, il aurait été de 1500 au maximum. Avec les nègres, avec le Koulouri. Si on s'admet 1500, quel est le nombre de 1500 devant la résistance kabyle avec 6000, 7000 soldats? Et dans les guerres aussi du côté de Média et de Métidja, Ben Zemmoum est toujours fidèle à sa défense et à sa résistance du côté de l'Algérois totalement, que lorsque la France est venue planter ses gazernes dans la Métidja et différents points de la Métidja. Ils ont coupé tous les moyens de la défense, de la résistance de Ben Zemmoum. C'est comme ça qu'il était rentré en Kabylie, en Grande Kabylie. Voilà à peu près les causes qui ont permis, qui ont poussé les Kabyles à être une grande partie, Confédération, une grande partie d'Akhli Zouaf.
Par la suite, je reviendrai, si vous voulez, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que les Zouaves, c'est l'appellation vraie de Zouawa? Là, je vais revenir, si vous avez une question à poser, je vais revenir à ce, c'est très important ce, ce volet-là. Si j'ai bien compris, l'appellation Zouave n'est pas récente, c'est une appellation très ancienne, elle remonte donc à quelle époque? يعني نعاود نطرحها بالسؤال بالعربية باش يفهمونا وإذا حبت شهرها بالإنجليزية ولا إذا حبت تعلق مادام التسمية قديمة يعني تسمية الزواف قديمة فإلى أي عهد تاريخي يمكن أن نضعها ومن هم أهلها مريم j'ai découvert en 2019 que Liberté le journal algérien a écrit Le nom de Zouawa fut rapporté par les chroniqueurs, historiens ou voyageurs de langue arabe tels qu'Ibn Hawkel en 988, Ibn Khalikan en 1274, Ibn Battuta en 1356 et Ibn Khaldun en 1406. Le mot est une déformation du nom d'une confédération kabyle Igawawen, pluriel de Igawaw, une confédération de villages dont le versant est de la Kabylie occidentale et dont la limite territoriale allait jusqu'aux alentours de Bouji, selon Ibn Khaldun. Ce terme fut par la suite généralisé par la population arabophone pour désigner tous les Kabyles. Il est évident qu'Ibn Khaldun n'avait pas réussi à délimiter de façon précise le territoire de cette confédération et sa classification recèle un degré de confusion assez élevé. Merci Chara pour cet éclaircissement. Mais on va passer à M. Abdin, Khalewi Din al-Muhadara, ou Belekch, on va commenter. J'ai décidé de ne pas lire assez des textes et de venir directement. Ça aurait été meilleur selon mon côté familial. Ils me disent que c'est la meilleure devant le spectateur que d'aller à lire comme ça la tête baissée sur le document. Et c'est pour cela que je reviens encore à donner en direct, sauf pour un certain texte où il serait de nécessité de donner des preuves à l'appui que je vais venir avec une lecture. Maintenant, oui. Donc, je viens pour Zouawa. Pour Zouawa, ce que dit Shahrazad est très correct. C'est Ibn Khaldun en premier lieu, bien sûr, il a travaillé sur le grand historien algérien, son Hajit, donc cité Ibn al-Qayrawani, Ibn Raqiq. Il a travaillé aussi sur les généalogistes barbares qui étaient Ibn Daris ou al-Matmati. Il a travaillé sur le peu d'écrits manuscrits, sur un certain Horacien de Znata, c'est le fils de Mkhald ibn Qidet, qui était allé en Espagne, il a donné un peu la généalogie de l'Horès et d'Znata. Le total là qui a servi à Ibn Khaldun comme écrit, et c'est vrai, ça date, on parlait de Zouawa. Zouawa. Zouawa, c'est vrai, huwa Igawawen. Dans le monde chaoui et dans le monde des parlants berbères à travers le Maghreb, le tout appelé, on n'a jamais appelé Zouawa ni Zouawiyin, ni Zouawa. On les appelait toujours Igawawen. Je suis d'une Zouia à Roufi, vous connaissez Roufi, le coin touristique, et les années 20, j'avais un grand cheikh, l'un des trois grands marabouts de l'Algérie, Ahmed Ben Sadq Abdi, juste en dessous, dans la vallée de Oued El Abyad à Roufi, vous allez en rencontrer ce jour les constructions de Chiaha, vous allez en connaître Béli. Dans notre Zouya, il y avait un certain Aït Saïd à Batna, dont sa famille réside à Batna, en 1917-18, il venait chez nous à Roufi, où il y a Gawawin, il y a des Zarfannes, il y a l'Houli, si on veut dire, de tout ce qui est Zarfaoun, l'Houli, pour les vendre chez nous. Il ramène un peu ce qui était de l'artisanat kabyle. C'est vrai. Maintenant, Gawawen, est-ce que c'est une tribu, comme je l'avais dit sur pas mal de vidéos, c'est une tribu qui remonte à Zneta. Zouawa,
il est de la grande confédération, si on veut, Zneta. Par contre, l'Hassa, de Annaba, jusqu'à Jbel, donc jusqu'à Sidi Ammar, si on veut, jusqu'à Seraïdi, et la partie d'Oran jusqu'à Magnia, Oran, Mstrarm, Loran, ils se sont venus à l'Hassa. L'Hassa, c'est des tribus descendants de Houara. Houara, à l'origine, c'est un mariage entre Zneta et Zouawa. Mariage de l'ancêtre qui a donné ce Houara. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup Zneta et Snhaza et Houara parfois désarticulés. Puis c'est une grande tribu égale, mais qui est en division entre Marwana et entre aussi ce qu'on appelle les Hnensha. Du côté de Soukhara, c'est l'Hnensha, en face de le même champ. L'Hnensha, ils sont descendants de Houara aussi. Le Houara del Kontara, à Biskra, le Houara du côté de Tlemcen, le Houara partout. Même du côté d'Alger, il y avait des Houara partout. Donc, maintenant, si on revient à ça, Zouawa existait. Est-ce que Zouawa était une tribu de Snhaza? Non. Zouawa, à l'origine, il est de Zneta, articulé avec Ben Idis. Idisa, dans le berbère, ça veut dire le ventre de mon père. Aussi bien Addis Ababa de l'Habasha, qui est la frangine longue, frangine au berbère, dont les historiens linguistiques la donnent chez eux, est appliqué comme le ventre de mon père. Addis Mbeba, Abot Mbeba Sqveili, Siawi Bukhara Addis Mbeba. C'est l'appellation berbère Addis Ababa. Là, c'est pas moi qui le donne, c'est l'historique de la trouvaille de Louis Liki, d'Addis Ababa, dont on parlait archéologiquement. Revenons, donc, Zouawa, c'est clair que c'était Igawawen, que l'origine, il est net, il existait, et on n'a pas à se dire beaucoup. Seulement les arabophones, au lieu de l'appeler Igawawen, ils l'ont appelé Zouawa. Ce que dit Shahrazad est très correct et très juste, ce qui a été rapporté dans le journal de Liberté est très juste aussi. Je reviens maintenant à ce qui est de Zouav. Ma question, elle est là. Quel est le rapport entre Zouav et Zouawa? Zouav, il existe en la lettre numéro 4 de l'écrit d'un livre du docteur médecin qui s'appelait Peysonel, P-E-Y-S-O-N-E-L. Avec son compagnon qui s'appelait donc Desfontaines. Les deux, dans leur recherche, dans leur écrit, en 1724, sur la lettre numéro 4, ils précisaient en donnant ce qui était de l'armée turque chez le Bey, puisqu'il y avait de Bey, il n'y avait pas de Bey en Tunisie. C'est le Bey en ce temps-là qui l'emporte contre le Bey, contrairement à l'Algérie. L'armée du Bey se composait de 3000 Zouaves. Écrit noir sur blanc dans tous les textes de ce docteur-là. Sur la page 62 de la lettre 1724, du 20 juillet 1724, le livre est édité en 1838 à Paris. Voilà la référence qui nous donne que Zouawa existait dans le corps militaire turc à un siècle et 6 ans avant l'arrivée des Français à Alger. Comment veux-tu que je croie, moi, à ce que veut que le général Clausel, en disant lors de la création de ce corps des Zouaves que c'est une création française? Il n'a pas dit précisément création, mais il a dit qu'on l'a appelé Zouave en le rapprochant, en le rapprochant à l'appellation des Zouaves qui étaient, des Zouaves qui étaient les plus nombreux du corps. Il nous a créé un problème, ce mec-là. Dans le sens militaire ou politique, il a le droit. C'est son armée, c'est son histoire, il voulait amplifier, honorer la France par création d'un corps. Et puis dans le livre, je termine une chose importante, et puis personnel, lorsqu'il parle de l'armée juive, il ne laisse pas comme ça. Il dit que c'est une armée authentique qui remonte aux Maures, M-A-U-E-R-E-S, pour dire à l'origine c'est espagnol. Ah. D'ici, j'étais obligé d'aller chercher les Zouaves en Espagne. Et je vais terminer, je vais vous parler, je vais vous écouter dans la question, et je vais revenir à parler des Zouaves, comment ils étaient venus de l'Allemagne au temps des Vandales, comment ils étaient venus au temps des Romains pour créer ce corps qu'on appelait S-U-E-V-E-S. C'est les frères aux Alains de l'Allemagne qui étaient venus sur la France, la Gaule, puis une partie est passée en Espagne, et dans l'Espagne, l'armée était presque totalement dissuade.
Les Vandales, les Visigoths étaient venus sur Annaba, sur Tanger, puis jusqu'à Annaba. Et Annaba, à la mort de Saint-Augustin, on a trouvé une pierre Annaba en 1860 à Bonn, dont c'est écrit les Suèves accompagnateurs ou bien une armée de Vandales à Annaba en 429. Ils ont accompagné de l'Espagne les Visigoths, ils étaient ensemble, c'est la même armée, avec les Vandales, en l'année 406, en venant sur Tanger. Donc voilà la question, se précise encore qu'ils étaient anciens et venant de l'Espagne. Donc personnel, lorsqu'il dit que l'armée des Zouaves remonte à l'authenticité de mort de l'Espagne, et la raison de ce qu'il dit. Remontons maintenant plus anciens encore à ça. Est-ce que les Suèves, qui étaient en Allemagne, envers Prussie, et envers Bulgarie et tout, étaient de la même armée qui venait de côté de Gibateux? Et oui, Gibateux, comme ils le disent les textes, je peux le lire, mais le temps de lire ne permet pas, je vais vous lire les textes sur Afrique ancienne. Sur Afrique ancienne, 1844, dont on donnait texte entre guillemets écrit, que Auguste avait envoyé un secours, au secours de Gibateux, qui était, si on veut, qui était affaibli dans son armée et ses généraux contre Tacfarinas. Tacfarinas l'a attaqué de la nuit midi jusqu'à Cherchel. Il l'a épuisé dans ses forces, il l'a toujours gagné dans les guerres. C'était un ancien militaire, mercenaire, qui a quitté les rangs romains pour venir attaquer Juba. Pourquoi qu'il a attaqué Juba? Attention, il a raison sur un plan. Je ne peux pas dire qu'il a raison, mais ce qu'il voyait. On disait qu'il voyait que Gibateux, c'est les textes romains qui disaient ça, c'est pas moi, de son temps, en ce temps-là. Ils disent que Tacfarinas voyait que Gibateux était un traître. Il était élevé à Rome avec Octavien et la fille de Cléopâtre Ve, qui a donné Cléopâtre Sélinée son épouse future. Par la suite, ils étaient élevés ensemble avec Octavien. Donc ici, dans le sens, il était un petit enfant élevé par les Romains. Donc, il dit que les Romains, c'est un traître, et c'est pour ça qu'il est attaqué, que Tacfarinas a pris les armes et tous les ennemis d'une grande partie contre Gibateux, et Gibateux a perdu ses guerres. Auguste lui a envoyé de l'armée de Bulgarie et de, si on veut, de l'Autriche, dans le temps. C'est pas aujourd'hui, c'est pas la géographie d'aujourd'hui, et les territoires d'aujourd'hui, de l'Europe centrale. Avec un certain Gilles, avec un certain, il est appelé, je peux vous donner même son nom peut-être direct, si je le trouve en direct, puis ça peut prendre du temps. Donc, il s'appelait Cornelius Cossus, qui commandait l'armée qui a envoyé Auguste à Gibateux pour, arriver à gagner contre Tacfarinas. C'est effectivement ce qui a été fait. Et lorsqu'on a gagné, on l'a appelé Gitilicus. C'est-à-dire l'élément de la Gitulie. Tu, aujourd'hui, pas romain uniquement, tu as gagné les Gitules. Donc, tu es le Gitilicus. C'est des textes romains dans lesquels on peut le trouver. Donc, c'est la page 86, c'est la vidéo Takahar Roman, sur Kitab Tariq al-Jazair al-Qadim al-Hadith, Mohamed al-Mili, c'est la page aussi 86. On le trouve aussi, c'est la page Tacfarinas et Gibateux, c'est la page 70 jusqu'à 78, c'est le tome second de l'Afrique ancienne, lui, Lacarois, l'auteur. 1844, réédité en 1981. Voilà ce qui était de Tacfarinas et Juba. Donc, c'est une armée suève qui était venue du côté du centre européen vers l'Afrique du Nord. La deuxième vague, c'est celle des Vandales qui était venue sur Annaba. Donc, c'est l'appellation suève qui a pris Zouave. Jusqu'à nouvel ordre, on ne trouve pas autre mot toponymiquement, étymologiquement, historiquement, archéologiquement que ça. L'archéologie le donne, l'histoire le donne. Je pense que c'est l'une des meilleures variantes de la question de l'appellation qui remonte à l'ancien temps. De dire qu'il est approprié à la France et son arrivée à Alger, à Sidi Frouch, c'est vraiment de la folie. Les gens se trompent devant un texte qui est honorable pour la France et dont ils voulaient dire que nous avons créé des cordes parmi celui-ci, nous avions gagné. Ça ne fait rien, les Kabyles à l'autre côté, puis c'est Kabyles qui faisait la force, la chance, et les Français le reconnaissaient dans leurs écrits que les rebelles, c'est les montagnes de Blédan allant jusqu'à Bourni et puis à Jurjera, c'est les Zouaouas
qui arrivait à gagner, à charrier toute la Kabylie sur l'Algérois, s'il était nous attaqué au bas-relief de la plaine de Blida, malgré un certain rapport qui voulait se faire en ce temps-là, de 1830, du côté de Blida, entre arabophones et berbérophones, pour gagner les terrains coréales. Ici, les Turcs, ils veulent s'y emparer. C'est convoité. Voilà l'affaire qui remonte à la population, comme on l'a fait par la suite, les terres de fertilité, et sont partis ailleurs, c'est d'autres arrivants qui ont gagné ces terrains à leur profit, à notre détriment. Voilà à peu près. Et je reviendrai par la suite sur la question, si vous voulez, s'il y a une question. Merci. Je vais peut-être donner la parole à Shahra qui voudrait poser une question. Oui. Bon, Shahra, on laisse les commentaires à la fin de la conférence. D'accord, merci. Merci. Donc, Monsieur Abdi, juste en conclusion, ce que vous venez de dire, juste pour voir si on vous suit très bien, en conclusion, Zouave n'est pas créé par les Français. C'est une création d'avant la France. Je ne sais pas comment vous, Yanni Femna. C'est vrai? C'est vrai, c'est ça ce que je voulais dire. Oui. Ça date de 20 siècles. Super. Donc, ça, c'est un point qui est très important, Béchine Fermo. J'ai une question aussi. Est-ce que les Français, qu'il y avait dans les unités, dans les unités militaires, est-ce que les Français étaient, est-ce que c'est vrai qu'ils étaient des enfants plus tard, des enfants d'Algériens et de Français? Par exemple, les viols qu'il y avait en Algérie, est-ce que ils ont été ces enfants étaient entre Algériens et Français, ont fait, étaient les membres de les Zouaves? Les Zouaves, c'est une armée appropriée, bien sûr, dont la France l'a utilisée contre la Kabylie en premier lieu. Si on remonte dans les revues, donc revues anciennes, revues africaines anciennes, de 1856 jusqu'à 1861, comme je l'ai dit à la fois passée, dont le nombre, il est de l'ordre 106 volumes annuels. Donc voilà, on va se retrouver entre les numéros 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 de ces revues-là, si les gens veulent suivre la question, par téléchargeable, bien sûr, ils vont comprendre la vérité de la Kabylie, comment ça a été attaqué par les Zouaves. C'est les Zouaves qui avaient incendié beaucoup de villages, qui avaient massacré des populations kabyles. S'il y a des Zouaves qu'on veut appeler kabyles, c'est les Zouaves qui avaient massacré la Kabylie. Si c'était un lien de parenté, de tribu qui aurait été cousu, les Kabyles n'auraient pas à vivre la plus grande mer des Zouaves. Et je donne quelques noms, si vous voulez, la Mauricière qui avait fait la conquête consentie 1837, et je reviens sur la Kabylie beaucoup plus, des écrits, je vais en lire quelques écrits pour qu'on soit très juste et très correct, et avec leurs écrits, leurs signatures. Le colonel Carobert, qui a fait la Kabylie, il a fait aussi l'Aurès, bien sûr, c'est lui qui a incendié Nara dans les Aurès en 1850, contre le mouvement des Chaouis de la résistance à Biskra, des Biskri, qui avait fait Zatcha. Zatcha, c'était, ça remontait à 40, où le Tsaada de Nara, qui était allé mobiliser leurs frères de Liwa et de Liena, puisque le tout arabophone appartenait à l'ancienne tribu Saada, qui était d'Ilouat. Et pour cela, lorsqu'ils avaient fait la résistance, et après le massacre à Biskra, la France colonelle, il avait reconnu la vérité, il a pu connaître la vérité de la révolte, il était venu incendier totalement Nara. En Kabylie, Carl Robert là, il était allé au fond jusqu'à Tchurjira, si on lit quelques pages, pour en connaître juste après. Donc, est-ce que Zouava, Zouave, devant ça, est-ce que Zouave était l'ennemi? Si on prend Kabylie et Habil, tout le monde le connaît. Donc, Kabylie et Habil, les fils d'Adam, Kabylie là, il a massacré son frère Habil. C'est des frères, par le sang, par le père, que par la maman Ève, il a massacré son frère. Vis-à-vis de le Corban, vous connaissez ce qui était accepté comme offrande
pour l'un sans qu'il soit accepté pour l'autre. Ça a été accepté à office qui était tué. Donc, Habil qu'on a accepté. Le bon Dieu avait reconnu. À Habil, l'offrande, il a égorgé un mouton. Par contre, Habil n'avait que le sens des fruits et des légumes. Il a offert ça. Le bon Dieu ne lui a pas accepté. Si ce n'était pas la viande, c'est pourquoi c'est pour dire si le sang qui se transmet dans l'âme qui arrive à communiquer entre le monde éternel, entre le monde des âmes et le monde terrestre. Cela, c'est des croyances qu'on a toujours dans la tête envers dans nos villages. C'est pour ça que les Kabyles passent beaucoup, femmes et hommes, dans les cimetières, demander le devenir, l'avenir, comme dit, et autres, vis-à-vis de... Et aussi dans le monde Shaouia, Elisnet a été plus encore enfoncé dans la merde là, de reconnaître les âmes et les tombes et de tout ce qu'il y avait. On ne va pas venir à ça, ce n'est pas le sujet. Maintenant, donc, si on arrive à ça, de dire que les Zouaves avaient massacré les Zouawa, donc c'est quand Kabil qui a massacré Habil. On n'a pas à le porter contre les Kabil. S'il y a quelqu'un malfaiteur, il ne faut pas... De le prendre et l'amplifier, l'agrandir et de donner de lui toute une nation d'un quart de la société algérienne qui vit la merde des attaques, des fausses attaques, des bédouins et des ignorants envers une question historique dont on ignore tout. Donc il faut revenir et reprendre la vérité comme il se doit, historiquement, et de dire la vérité rien que pour la vérité. Si un frère Kabil arrive à commettre un péché, je vais dire qu'il a commis un péché. Si mon père aussi, mon enfant commet quelque chose de péché, moi je vais le reconnaître devant la justice. Et dire que mon enfant a égorgé ou bien l'a massacré, l'a assassiné, vous à votre. Si d'autres qui l'ont fait, c'est pas moi. Et c'est pas mon enfant. Donc on va le reconnaître. Pourquoi prendre des joies dans les joies? Et je vais lire maintenant, si vous voulez, un peu, si vous permettez, bien sûr, je vais vous lire, un texte. Vous voyez qu'est-ce qu'ils faisaient, Père Robert et son armée de Zouaf? Ils attaquaient la Kabylie à 2h30 du matin et à 3h du matin, où les gens étaient endormis. Et puis les Kabyles se contentaient un peu des coins inaccessibles dans les villages qu'ils sont à ce jour, des grands vallons, des grands sommets de montagne sur des versants. Ils s'attachent bien à bloquer les itinéraires, les passages et les pistes qui mènent sur les villages. Et les autres viennent en pleine nuit, par un endroit inaccessible, puisqu'ils sont forts, ils ont fait beaucoup de sport, ils viennent avec des moyens un peu avancés, ils arrivent à grimper la nuit par les rochers et par les contreforts, et venir dans les villages, les gens dorment, tout le monde dort, pour massacrer, égorger, incendier et finir avec la Kabylie. C'est les Zouaves qui avaient massacré la Kabylie, donc on ne peut jamais aller à se prétexter devant le nombre de quel Kabyle, on a dit, de 1500 sur 1800, est-ce qu'ils valent quelque chose, et de leur donner un sens néfaste envers la patrie et le patriotisme. La Kabylie, c'est l'une des sortes de patriotisme d'un niveau le plus élevé, reconnu par les Romains, que par les Français, que par les Turcs, que par tout le monde, comme autres zones berbérophones. Les zones berbérophones tiennent encore. Le pourquoi? Puisque les zones berbérophones, ils vivent dans les montagnes, dans les reliefs accidentés. Ils ont vécu avec les dieux et les anges et les satans et les difficultés, la pauvreté et le tout, ce qui a façonné en eux une sorte forgée. Pour devenir forgeron, il faut forger pour devenir forgeron. C'est eux qui avaient forgé la nature, et depuis l'Antiquité, et de là découle ou bien vient leur force dans l'esprit et dans le corps. Dans le corps, c'est reconnu par leurs mains, les Romains, la longévité de la vie des Berbères. Voyez, les deux goulots, Tepsis, la ruina qu'ils mangeaient, ils étonnaient bien sûr aussi, et puis autres aliments qui ont fait d'eux une force. Et puis, ils sont actifs dans leur travail. Revenons maintenant à un petit cas qui est aussi un petit cheminement sur une autre partie administrative organisationnelle des Zouaves. Les Zouaves en 1000, donc on a dit qu'en février 1931, une fois ils étaient rentrés épuisés, totalement et malades des épidémies de microbes du côté de Blida, de la classe blidienne, puisqu'il est assez humide, si on veut, et la forêt qui couvre Sharia. Le tout a donné des maladies dans le corps des Zouaves. Ils étaient rentrés après 2 mois d'action sur le terrain. Sitôt, novembre, fin d'octobre, novembre, décembre, 2 mois. Début janvier, ils étaient rentrés sur l'orgie malade. Épuisés, ils ne voulaient même pas continuer, mais quand même intéressés sur un plan. Je dis bien que les Zouaves peuvent être obligés
par la guerre de Stawali à devenir des militaires français. On n'a pas pensé à ça. Puisque Kabylie dit, en Stawali, les premiers en ligne et rangées premières. Pourquoi ne pas dire qu'ils étaient des prisonniers pris par les Français, ils les ont chargés de la question sous les officiers français. La preuve, il n'y a aucun officier blabla. Tous les officiers étaient français. Il se dit quand il me donne un, même lieutenant et capitaine de grade. N'en parlons pas du général et major. Ils étaient tous des Français. Donc, sous la poste, la force française, qu'on a créé ce corps de prisonniers kabyles. Revenons maintenant au 18 février, on a créé, on a dit que la loi a changé, on a dit qu'un Français contre un indigène doit exister comme ça dans l'armée des Zouaves. C'est l'armée de la plus forte, la plus, soi-disant, aiguisée. Donc, en 1842, une autre loi venait pour interdire à tout indigène de venir dans les Zouaves. À partir de 1942, il ne restait plus ni Kabyle, ni Arbé, ni Kda dans les Zouaves. Ce n'était que l'armée française. Jusqu'à 1942, où on a repris avec les Zouaves 1942-1949. On a repris 1942-1945, après la guerre mondiale. On a repris avec les Zouaves, c'est une politique française de réflexion, de revoir, de rajeunir, de revoir la politique française envers l'Algérien. C'est tout. Le reste était dépourvu de Kabyles et d'Algériens. Et si on dit il n'y avait que 1840, en octobre 1830, il n'y avait que 1840 hommes dans les deux bataillons avec 8 compagnies, des Zouaves, 8 compagnies, 2 bataillons. Le nombre était 1840. Si on déduit que la majorité kabyle, 1500, et puis il y a beaucoup de malades qui étaient écartés, et beaucoup de ceux qui avaient rendu âme, bien sûr, c'est des accrochages, des gars. Qu'est-ce qu'il restait de 1500? Et puis, une fois qu'on a interdit, qu'on a mis que l'indigène doit, il est soumis à un Français. Et privilégier le Français au détriment de l'indigène. Il va de soi. Toute armée qui va dans un autre pays, il va encourager les siens. Il va de soi. Je donne, tout le droit aux Français d'avoir choisi comme ça, privilégier un Français sur, au détriment d'un barbare qui était qu'un guide pour eux. Mais il va c'est le bouc émissaire, il l'utilise en avant-garde, il va de soi. Donc en 1842, on a fini définitivement avec les Zouaves algériens. Ce n'était que des Zouaves français. Pourquoi amplifier l'image de trahison, de traîtresse derrière l'appellation Zouave? Il n'y a aucun rapport en la question. Je ne sais pas si j'avais répondu à la question, je suis là pour aller un peu à détailler si la question est encore posée sous autre forme. Très bien, merci. Monsieur Abdi, pour toi... Chahra, excuse-moi Chahra, j'ai deux questions pertinentes pour Monsieur Abdi. D'accord. D'abord, selon ce que Monsieur Abdi a dit jusque-là, il semblerait que les Zouawa ou la tribu des Zouawa et peut-on dire majoritaire ou bien les Zouaves comportaient grand nombre de Zouawa, c'est-à-dire pourquoi ça? Pourquoi il y a un très grand nombre de Zouawa dans le bataillon Zouaf? Alors qu'il y a un عدد كبير من الزواوا في في مع الزواف. وعندي سؤال يمشي مع هذا يعني حسب واش فهمنا كاين عدد كبير علاش pourquoi هذه القبيله علاش هذه القبيله متواجده بزاف مع الزواف هل هذه القبيله هل قاومت الاستعمار الفرنسي هل قاومت عند دخول فرنسا est-ce qu'ils ont résisté parce que كي نسمعوا نقراو في الجرائد الرسميه الفرنسيه راهم يوصفوا فيهم كجنود يعني exceptionnels ils ont des compétences ils sont donc est-ce que au départ ils ont quand même résisté واش داروا كي دخلت فرنسا وين كانت وعلاش متواجدين بزاف pourquoi il y a un grand nombre de Zouawa dans le Oui, c'est la grande question, puisque tout le monde a lu quelque part dans des documents dont on parlait, on disait que les Kabyles étaient la force la plus nombreuse. Je dis bien que c'est un document officiel de la France qui parlait de ça. Mais quel était le nombre? Le nombre était 1840.
en déduisant, en permettant à Kabyle qu'il soit la force. Monsieur Abdi, excusez-moi de vous interrompre. إذن نقدر نقولوا أنه كاين وثائق رسمية من الجيش الفرنسي تبين باللي هذا العدد كان يعني يبالغوا فيه ما كانوش متواجدين بكثرة. يا أختي يا مريم. نعم. J'étais quand même officier du service national, je connais ce qui est de l'armée, je dis bien qu'un nombre de 1840 hommes ne peut même pas faire une conquête ou une bataille sur un grand terrain, sur un terrain vaste. C'est rien du tout, 1840 officiers. La France était venue avec quel nombre sur le site de Vrouge, 30 000. Les Kabyles qui étaient venus dans la résistance sur Argis, je venais de le dire à Stawali, étaient d'un nombre de 6 000 à 7 000. Les Kabyles qui avaient combattu les Zouaves à Djurdjura, à Bni, je me retrouvais dans la pilosse, je l'ai perdu le nom, Ali Bouneb, quelque chose comme ça, Ali Bouneb. C'était 6 000 Kabyles de résistance contre les Zouaves. Les Zouaves étaient au nombre de 3 000 en Tunisie en 1724. Quel est le nombre de 1830 entre octobre, novembre, décembre? Sitôt. Itemna, Fadat, les Zouaves, 1840. Et les morts étaient entre octobre, novembre, décembre. Au mois de janvier, étaient des malades. Ils avaient quitté. Le peu de restants n'étaient allés à continuer dans le sens des rangs que sous la force de la France. Donc, très bien. Est-ce qu'ils ont fait de la résistance quand la France est rentrée? Quel était le rôle des Zouawa ou des Zouef ou de Kabila Hadi ou Kifesh Kabil de France? Est-ce qu'ils ont reçu la France comme amis ou bien ils l'ont combattu? Non, j'avais dit qu'ils l'ont combattu, j'avais dit qu'ils étaient de résistance, je venais de le dire au bout d'une demi-heure passée, qu'ils étaient avec Ben Zahmoum, Kabil, Ben Zahmoum, avec 6 000 et 7 000 soldats entre Blida et Média dans les guerres de Métidja. Il avait continué ces guerres de juillet, 5 juillet, la guerre de Stawali, la Tslim, Hussein Day, 5 juillet 1830 jusqu'au mois d'octobre et à l'au-delà d'octobre que Ben Zahmoum seul, durant toute une année, avec l'ensemble Kabyle, s'attaquait dans la résistance contre les Français. Après que les Turcs avaient tout donné, avaient tout, c'était choulé, officiellement, à la France. Mais les Kabyles avaient continué la résistance. Et puis au début, j'avais dit que la guerre de Stawali était menée dans les premiers rangs, et par la force de 6 000, 7 000, était Kabyle. J'ai dit, c'était Oukassi, Mohamed, et Oukassi Belkassim du centre d'Alsi, qui était à la résistance au début. On avait un certain Mohamed Saadi, un certain Maouj Mohamed, un certain Hassan Saadi, qui était aussi du côté de Métidja, avec son armée, une partie des Kabyles, aussi qui s'attaquait. On a contre les Zouawa, 6 000 à 7 000 deux fois, que ce qui est arrivé en plein Kabylie, en plein Djurdjura, comme au Kaouma, dans les Zouaves. Je vais lire une page seule qui va vous permettre, je voulais d'autres pages, je vais en lire, j'en ai tous les textes, seulement le temps, peut-être que... Il le dit, colonel Carrobert, en la page 142, 143, 144, Revue africaine, volume numéro 042, inscrit. Et puis je le dis, il est déjà enregistré. À 2 h du matin, le colonel Carrobert, à la tête des Zouaves, il était à la tête des deux bataillons des Zouaves, non plus un seul, sur les deux, à 2 h du matin, par un magnifique clair de lune, nous gravissions les sentiers qui conduisent au village de Bni Melikesh. Et ce matin, au petit point du jour, nous attaquions sur 3 points différents, mais rapprochés. Sur 3 points différents, mais rapprochés, les retranchements en pierre sèche élevée par l'ennemi, il veut dire Kabyle, en avant des villages. Ibn Melikas, nos intrépides soldats, les abordèrent, les soldats veut dire les Zouaves, nos intrépides soldats les abordèrent à l'arme, blanche, les enlevèrent successivement à leurs défenseurs, qu'ils jetèrent dans les profonds ravins au-delà
de la majeure partie des beaux villages d'Ibn Melikesh, dans lesquels ils pénétrèrent et qu'ils livrèrent aux flammes. Dans ce mouvement, l'Ispahi conduit par le capitaine Abdelal, ça doit être un Turc, montrèrent beaucoup d'ardeur. Ils me furent très utiles. Voilà un texte dont il reconnaît la vérité sur mon front et sur ma gauche, où se trouvait le premier bataillon des Zouaves et le deuxième bataillon du 50e de ligne, la défense de l'ennemi ne fut pas très opinâtre, mais il n'en a pas été ainsi sur ma droite. On était le troisième bataillon des Zouaves. Ce bataillon a dû briser des efforts tenaces que faisaient les Zouawa et l'Ibni Melikesh, qui s'opposait à son entrée dans les villages appartenant à Si Abdelkrim, l'ancien chef des Melikesh. Une lutte acharnée et corps à corps s'est engagée dans plusieurs de ces villages, entre Zouawa et Zouave. Et il a fallu toute la valeur des officiers et des Zouaves du 3e bataillon unis à l'énergie et froide intelligence de leur chef monsieur le commandant de la Varande, pour venir à bout des saccages des villages. Ces opérations terminées, le 3e bataillon des Zouaves a reçu l'ordre de se retirer sous la protection du 1er bataillon du 12e de ligne de l'artillerie et d'un demi-bataillon du 1er bataillon des Zouaves que j'avais disposé à cet effet, et ainsi de suite. Là, c'est juste pour donner une référence. Il y en a au moins une quinzaine de guerres comme ça entre les Zouaves et les Zouaves, dont s'atteste par le premier responsable des Zouaves, la guerre entre Zouaves et Zouaves. Donc, on n'a plus intérêt à parler des Zouaves qui sont des Zouaves, même si, donc, on ne veut pas avoir dans notre corps un organe malade. On peut avoir dans notre corps un organe malade, et tout le monde devrait avoir ça. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsque le corps totalement est malade. On ne s'attaque pas au corps totalement malade, mais on arrive à attaquer un organe dans l'ensemble qui est encore vital et qui est encore biologiquement producteur pour le saccager. Et si pour cela, je viens à dire par la suite, j'aurai à dire des phrases pour terminer dans d'autres questions et de dire qu'est-ce qu'il y a derrière ça. D'accord. Monsieur Abdi, une autre question. Si on dit que les Zouaves sont kabyles, alors que la France dit qu'elle a créé les Zouaves après 1831, alors que la Kabylie n'était pas rentrée par les Français qu'après 1857, après la défaite de l'Elafat Mansoumer, et après 1871, après la révolte, la défaite aussi de la révolte de Simqran ou Silhaddad. Donc, il y a ici une contradiction. Comment expliquez-vous ça, M. Abdi? D'un côté, les Français disent qu'on a créé les Zouaves des Kabyles en 1831, alors qu'ils n'ont acquis la Kabylie qu'en 1857. Donc, il y a une grande contradiction, et en 1871. Donc, il y a une contradiction. Pour cette question, oui, il est d'importance, mais il faut la voir dans le cadre géographique avant de l'aborder dans le cadre historique. Géographiquement parlant, Alger est une partie de la Grande Kabylie, d'une manière ou d'une autre. Même s'il n'est pas en direct, il est indirectement. C'était la capitale, et l'Algérois, au temps des Turcs, en avait déjà un certain amiral marié avec une Kabyle, et dont la Kabyle a su jouer. Je la remercie, malgré l'histoire ne le permet pas, que le salut doit être passé en sa tombe. Et j'aurais à la remercier, elle a encouragé la Kabylie, que les Turcs, d'accepter une grande partie de la Kabylie sur l'Algérois. Là de plus, puisqu'il était Alger depuis le temps romain, depuis le temps berbère. C'était la zone berbère, comme il était. Axiome qui est exul, qui signifie seulement la viande, on était allé l'expliquer dans le punique. C'est l'erreur. Et puis,
la région, elle est pourvue de berbérophones à ce jour. Que veut dire la classe blidienne avec ses parlers? Nous parlons pas des Kabyles qui sont Alger aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire qu'ils avaient envahi Alger. Nous parlons des anciens, des vrais occupants de l'Algérois. Sans parler de Bnouziri, qui était le deuxième bâtisseur ou le troisième bâtisseur de Alger par Bolloré. Maarouf Bolloré, qui a donné le premier quartier Bolloré. Mais Bolloré de Bnouziri, il y a une grande erreur dans l'histoire où on pensait que Bolloré de Bnouziri, ça a donné l'appellation Bnouziri. En réalité, non, c'était des guerres entre les Nets et les Snazites. Et donc, Bnouziri et les Snazites, bien sûr, il a massacré la tribu, la tête de la tribu d'Ihouara et d'Infoussa. Il dit, non, il faut dire la vérité, on n'a pas se caché. Donc, il les a massacrés sur le haut. Et Zahir. Zahir, c'est l'ancêtre des tribus de Mzeta et de Houara et de Nfoussa. Donc, les trois, leur ancêtre était Zahir. On les appelle Zahir. L'un est Ziri, deux mondes différents. Et Ziri, de Zahir. Donc, Matiya ibn Ziri. Matiya ibn Ziri, c'est pas Ziri ibn Mnet. C'est Ziri d'une tribu Snet, qui était du côté de Biskra, qui était allé attaquer le Moïse. Le Mansour, je pense. Le Mansour ou Ziri. Laissons-nous de ça, revenons directement à ce qui est de Ziri, maintenant, le vainqueur des Ziri. Il les a massacrés. Amherès, Yiddiz, maintenant, Herres. Yiddiz, Zahzaïr. Yiddiz, Zahzaïr, Atat, Zahzaïr. Vous voyez un peu une autre interprétation du mot Alger qui vient de Mjmoua Djozor, qui vient de Kaza. Et c'est vrai que Ziri avait construit le quartier, le grand quartier Alger dans le temps, reconstruit, puisqu'Alger existait depuis le temps des Puniques. Il avait reconstruit Alger par Bolloré, c'est connu. Et aussi le Mdéa aussi. Donc trois villes qu'il a construit, c'est reconnu. Mais pourquoi il était appelé? Il était appelé Eddes Zahir. Ça a donné Zahir. C'est pas Al-Jazair. Eddes Zahir. C'est un mot berbère, d'Ouzid Moudrama, à ta tête Zahir. Alina, c'est pas la question, là, c'est un peu l'étymologie, l'histoire des localités. Revenons à la géographie. Comme le Kabyle existait à Alger, s'il a défendu Alger, s'il a fait la résistance à Alger, c'est son droit de premier degré. Donc, pourquoi venir à dire que, comment Zouave a été créé? Il a été créé par les Français, tout en chargeant un ensemble de guerriers qu'on avait rendus prisonniers lors de la guerre de Sawali. Ils étaient sous l'ordre, sous la force. Ils les avaient obligés. Une autre partie est venue, comme je venais de le dire, sur quatre causes primaires dont j'avais parlé, le pourquoi devant les Turcs, devant la mer des Turcs, devant le délaissement, devant tout, ils étaient dans l'obligation d'aller dans les ordres rien que pour se protéger. Là, c'est un autre vœu. Si on revient à la vérité, beaucoup plus prisonnier. Mais si on accepte les deux, il est fort possible. Allons vers la Kabylie. C'est vers 1842 qu'on a commencé, qu'on a attaqué un peu la Kabylie. On a commencé même avant, vers 32-33. Mais la vraie vérité de la conquête était vers 42 sur la Kabylie. Seulement, il y avait un retour. C'est la deuxième conquête à la Fatma de Soumer, c'est la deuxième conquête en 1857-58. C'est la deuxième conquête française. Puisque les villageois, les montagnards, ne voulaient pas se soumettre. C'était une soumission douteuse. Chaque fois, il y avait des guérillas. Chaque fois, il y avait des attaques. La France voulait finir avec le monde de la Kabylie pour se permettre d'aller dans d'autres zones. Et c'était le cas. En venant après 42, ils étaient venus sur d'autres zones, à Biskra 1844, à Batna, c'est vers 12 février qu'ils étaient venus de Constantine, de Stalmansoura par Bitafoko, le colonel aussi là, sur Batna, et puis Karober aussi qui est venu sur Biskra et sur Batna, et ainsi de suite. Donc après avoir fini la grande résistance de la Kabylie, qu'on a pu venir sur Salgerin et la deuxième zone qui était Farouche, une zone de résistance aussi. On a voulu attaquer les zones de résistance. Les zones qui obéissent, qui se soumettent facilement, étaient faciles pour eux. Si on prend Sitif, les deux bataillons d'Izouave avaient quitté, donc en 1842, avaient quitté Blida. Ils étaient à Blida. Les deux Zouaves n'étaient pas à Alger. Ils étaient à Blida, les deux bataillons, qu'on a créés en 10 octobre 1830. En 1831, c'est la récréation, ou bien le redressement de la loi envers un indigène soumis à un Français dans le corps d'Izouave. Revenons maintenant à octobre 1830, avril 1842,
les deux bataillons s'étaient mobilisés, partis de Blida sur Sitif, avant d'attaquer l'Ibn Urthlan. Et c'était la piste qui réunit Sitif à Bijaya. Et de là qu'on a créé, on a voulu, comment dirais-je, admettre ou bien joindre Bijaya au territoire de Sitif. C'était en 1842 qu'on a joint les deux bouts, qu'on a joint la zone maritime de Bijaya envers Sitif. Les gars qui étaient partis sur New Orleans, on a rencontré Amjdella en allant sur Jorjera de Lyon. Lyon et Lyon, c'est les Zouaves qu'ils avaient rencontrés d'un seul coup. Il y avait un sursaut, il y avait des lions qui sautaient sur les éclaireurs, sur ceux qui se donnaient la force de dire « nous sommes les plus braves au monde ». Voilà. Et puis les Zouaves n'en parlant pas, n'oublions pas, en 1854, les guerres qu'on avait en Kabylie, les Français s'attaquaient, puis ça a duré, la guerre Kabylie, ça a duré beaucoup. Je parle des années 54 jusqu'à 58 avec Fatma Soumer. Donc en 54, fin mois d'avril, fin mois de juin, les Zouaves avaient quitté l'Algérie, la grande partie était partie sur la Crimée en URSS, pour la guerre en URSS. Et lorsqu'on a gagné en URSS cette guerre, Napoléon III les a un peu honorés en créant un corps impérial, un corps de garde impérial. Voilà ce qui a donné l'image des Zouaves qui est devenu un miracle, qui est devenu, à l'époque, les gens parlaient de ça comme les Arabes parlaient de Antar Mouchid, qui n'a rien fait que de défendre la raison de la tribu pour se marier avec Abela. Et on a oublié Jugurtha qui a défendu l'Afrique du Nord contre les Romains. Et Massinissa qui se voulut l'Afrique pour les Africains. Et autres, et autres, et autres. Voilà, nous sommes devant un fait accompli. Nous devons reconnaître que nous étions un peu à l'écart, nous ignorons ce que faisait la France, on ne savait pas de ça, peut-être ébloui par l'appellation des Zouaves, les gens agrandissaient, applaudissaient, amplifiaient le sens des Zouaves qui est resté dans les crânes et dans les têtes et dans l'esprit des Maghrébins, des Algériens particulièrement. Et comme les Français chaque fois rencontrés lors des guerres, on se trouvait devant des Kabyles dans la conquête de Constantine, c'est là où l'image des Zouaves était agrandie, amplifiée. C'est lors de la conquête avec la Mauricière. Que ça, et c'est l'un des éléments qui a revendiqué comme syndicat les grands droits des Zouaves. C'était la conquête de Constantine. C'est les Kabyles qui étaient, avec les Zouaves, qui étaient là. Les gens agrandissaient durant tous les siècles, durant tout le temps, parlaient Kabyles Zouaves, Kabyles Zouaves. Ça a donné un grand bruit au détriment de la vérité. Voilà si j'avais pu répondre à votre question, je ne sais pas. Très bien, merci Monsieur Abdi. Monsieur Abdi, une question, la dernière pour moi. Est-ce que les Zouaves, est-ce que les Algériens qui ont combattu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et les Zouaves, c'est des traîtres? Les Zouaves, est-ce qu'ils étaient des traîtres? Vous voulez dire ça? Oui. Les Zouaves, on ne peut pas accuser le corps en lui-même. Le corps, c'est un corps d'une armée française. C'est un corps d'une armée française. Pourquoi les prendre? C'est comme l'ensemble du Goumi. L'ensemble de Matalin, la Sassa Aris. C'était la seule. Là, ils ne connaissaient pas les Arabophones. Sinon, ils l'auraient attaqué. À nous attaquer sur un autre aspect. Là, c'était un capitaine qui était de retour du Maroc, qui a connu Rif, qui a travaillé beaucoup sur la politique berbéro-résistance au Maroc. De retour, en 1955, on a créé ce corps, ce mot l'Assas. C'est des supplétifs, c'est des vassaux de la France guerriers, qui travaillent dans le sens administratif secret, c'est comme DRS. C'est la force de service secret, administratif, supplétif, qui travaille au profit de la France, l'unique, il était uniquement à risque. Est-ce que cela veut dire que les Arisois étaient tous des traîtres? Si on arrive à ça, il n'y a ni Ibn Boulaïd, ni Selaouas, ni autre. C'est du blabla. C'est une armée. Il y a bien sûr des Algériens qu'on a mobilisés par la force, que par leur propre volonté. Tout dépend des coins et des temps et des obligations et des encouragements. C'est des éléments. Parfois, je peux partir 6 années et demi, je n'ai rien que pour gagner mon temps. Parfois, c'est des vérités de la guerre de libération 54-62. Parfois, c'est quelqu'un qui a pris ma fiancée. Il s'est marié avec force contre moi. Il était du FLN de l'armée. Moi, je vais passer maintenant dans les rangs de la France contre lui. Parfois, c'est le terrain. C'est la guerre, on se dispute le terrain. Parfois, c'est un certain encouragement. Parfois, je suis prisonnier.
prisonnier de guerre, prisonnier d'amour, prisonnier de n'importe quel prisonnier. Je vais me déplacer et être dans les rangs de mon ennemi. Donc on ne peut pas l'appeler comme ça. Mais est-ce que, sous une autre forme du nationalisme, est-ce que les Zouaves, c'est l'ennemi de l'Algérie? Bien sûr, c'est l'ennemi de l'Algérie, on n'a pas à se dire qu'ils sont des amis différents. La preuve, ils ont massacré leur frère Kabila, là. Kabila, Kabila, je venais de le dire. Donc c'est clair. Dire que c'est nos ennemis, oui. Dire qu'ils étaient des traîtres, c'est une armée française. Ce n'est pas la triste des traîtres. Ils ne sont pas traîtres. Ils font partie d'une armée française comme autre. Et l'Espagne. On a oublié l'Espagne qui était l'équivalent illégal de Zouave. On a oublié les tirailleurs. On a oublié comment dirais-je aussi, les tirailleurs, les canonniers. On a oublié les cavaliers. C'est l'ensemble qui compose les bataillons. Et parfois, on spécialise les bataillons pour l'ouverture des pistes. Les Zouaves étaient l'ouverture des pistes, des montagnes, des endroits les plus difficiles, c'est tout. Et puis, ils partaient ensemble. Attention, dans les guerres, ils étaient toujours jointés avec les canonniers, avec d'autres brigades, avec les tirailleurs, avec l'ensemble. Là, on peut lire l'archive et on va se retrouver devant Bigeot, devant l'ensemble des généraux, comment ça a été en Kabylie. Et dans le reste, partout. Il n'y avait pas que les Zouaves dans les guerres contre la citoyenneté ou contre la citoyenneté, enfin citoyenneté encore, nous y sommes à ce jour. Il y a beaucoup qui attaquent la citoyenneté. Parlons des citoyens algériens, dans le patriotisme. Il n'y a pas que ça. C'est tout le monde qui s'attaque à tout le monde. C'est des guerres, comme autant de... Est-ce que je peux dire, moi, que beaucoup étaient traîtres? Oui, ils étaient traîtres sur un plan. Sur un autre, vous voulez gagner le terrain de Sétif. La zone, ce qu'on appelait la Numidie occidentale, le terrain de Marouana jusqu'à Sétif, jusqu'à Biskra, était de la Numidie. Autant de Bocos, on a dit à Jugurta, si on gagne, attention à M. Bocos, si on gagne contre Jugurta, on va t'offrir ce terrain. Et vis-à-vis d'un grand terrain comme celui-ci, il a accepté. Et c'est comme aussi envers la Tunisie, Massinissa et Sfakas, c'était le grand territoire dont c'était disputé, sur 75 villages et villes. Des Tunisiens où se disputaient. C'est pas Séphonisme qui était dans la merde. C'est l'affaire de territoire. Donc, Sfakas voulait toujours gagner à être le sultan de Constantine. Massinissa, il avait une autre vision de la chose. Il veut récupérer le terrain que les Carthaginois avaient pris contre lui, contre ses voeux, dû aux guerres des terres agricoles qu'on a données aux Punites. Il voulait même pas payer ce qui était du loyer, ni payer ce qui était. Il s'était allé à s'accaparer du terrain de la Numidie, puisque ces Tunisiens dépendaient de la Numidie au début. Carthage était un peu haut, ce qu'on appelait l'Afrique propre. C'est pas carthaginois, il est au nord, et l'Afrique propre au sud. L'Afrique propre s'additionnait, s'adaptait, se complétait avec le reste, avec la Numidie ancienne. Voilà ce qui est un peu dans l'histoire et la géographie. Parfois, on fait pas les bonnes analyses de géographie, de l'histoire ensemble. Ce qui fait éclater de son significatif des vérités historiques. Donc, voilà comment la Kabylie se conjugue. Mais j'ai, bien sûr, avant de terminer, puisque j'ai un petit paragraphe qui va dire le pourquoi, c'est à vous de me poser la question du comment qu'on a utilisé, est-ce que c'est une intox, est-ce que c'est une politique, est-ce que c'est une vérité? J'allais vous poser justement cette question. Pourquoi cette instrumentalisation du mot Zouave? Pourquoi on utilise Zouave, sachant qu'il y a eu beaucoup d'autres bataillons, etc., quand vous venez de le citer? Pourquoi, je vais vous mettre dans un contexte beaucoup plus actuel, pourquoi on s'attaque autant à la Kabylie? Pourquoi on sort de ces concepts? On a des commentaires très virulents en ce moment même avec des documents français, .gov.fr, armée des guerres, etc. Ils veulent coûte que coûte lier une tribu Zouave avec Smhouli, la tribu Zouave ma Zouawa, Kalekadia, l'asr fi kalimat Zouave, etc. Comme si Yanni fait, par exemple, on prend toutes les tribus. في كل دار تقدر تلقى واحد حاب يروح يخدم مع فرنسا يعني يسلك و ان ميرسونير يسلك انسان فقير قرر يروح يخدم سا فو دير اسكو دركا حنايا رانا قاعدين نستهدفو سا دير اون سيبل اون تريبو اون
d'autres intentions derrière cet intox. Que veulent-ils exactement? Habbin yqassmo, habbin wach habbin yani men had le. Nous devons reconnaître que certaines politiques d'un haut niveau s'exercent à notre détriment dans les deux clans qui se font une certaine guerre qui ne dit pas son nom et depuis un temps immémorial. Oui. Et surtout depuis les années 62. On a un bloc qui se veut de l'orientalisme et en allant vers l'arabisme et l'islamisme, même à l'encontre de la patrie. Un autre clan qui se veut occidentalisé, il se veut beaucoup plus francophile, pas francophone, francophile à notre détriment, il se veut contre l'Est. C'est la guerre de l'Est et de l'Ouest. C'est la guerre de l'oriental vers l'occidental. Et c'est pour cela, pourquoi les Phéniciens étaient venus de l'Est, aussi bien les Arabes, aussi bien les Turcs. Mais passons maintenant à voir ce qui est venu aussi de l'Ouest. C'est les Vandales, c'est les Romains, c'est les Français qui étaient venus de l'Ouest. Donc l'Algérie et les pays de l'Afrique étaient toujours soumis ou bien à l'Occident ou bien à l'Orient. Ils n'ont jamais voulu se mettre dans leur bain et dans leur douche et dans leur berceau de la vérité d'indépendance qui devait se tenir à travers les siècles. Le pourquoi là s'explique aujourd'hui par une autre politique qui s'applique contre nous. Il veut mélanger les patates, venir comme salade, on aime dire salade riche, moi je respecte un peu les nations. Donc ils veulent nous mélanger, nous broyer, nous écraser, nous utiliser. De tout bord. Mais malheureusement on a des simples personnes qui n'ont rien de la politique que le politique, que le mot. Et parfois même le mot n'est pas traduit, n'est pas interprété convenablement. Si la politique maintenant, l'ilm ou siyasa ou l'fiqh ou l'amal ou l'moumarasa, avec un projet de société, avec une tactique, une stratégie, une diplomatie, et avec quelque chose de palpable pour faire valoir la question d'un État dans le projet de société et l'exécuter comme programme d'une politique dans un État, afin d'y arriver à s'évoluer. Nous, on se révolte dans les mots dont on ne connaît même pas les concepts et on essaie de casser, de dire que la politique, pour briser toute volonté envers la bonne et la dignité romaine, la dignité berbère dans le sens de la vérité historique et culturelle et édificative de l'État. Voilà comment ça s'impose la question. Aujourd'hui, les deux courants se s'entraattaquent dans le vide, au profit de l'étranger. Au profit d'une autre politique qui tissait directement, mais d'une manière discrète, dans l'esprit. Ça devient une culture en nous-mêmes. Ce n'est pas des éléments qui interviennent à notre détriment. Il est en nous-mêmes, dans le sens culturel de formation. Moi, on m'a formé pour que je serai ton ennemi. Comme on t'a formé pour que tu sois à l'infini mon ennemi. On ne veut pas coudre et utiliser une force de coalition d'aller à bâtir la société. On est là pour bannir toutes les vérités et tout le bon côté. Donc pour cela, je dis, bref, tout ce qui se dit sur la Kabylie, sous le terme de Zouave, n'est pas la vérité, mais c'est l'intox provenant d'un courant politique. Voilà, vous mentionnez ça, provenant d'un pôle politique ou bien d'un courant politique. Et le pourquoi? C'est égal à rajouter et à le mettre dans la valeur aussi. C'est égal à ce qui se disait depuis 30 ans de BTS. Vous entendez, vous connaissez. BTS, c'est la même politique. Albert Allah voulait casser l'Est dans l'utilisation, aujourd'hui c'est le centre. Donc c'est des massacreurs, c'est des destructeurs dans la politique qui veulent écraser l'Algérie. BTS. Or s'il y a du calcaire ou du rigide sec dans l'eau, s'il y a du calcaire ou puisque c'est hydraulique, donc du calcaire ou du rigide sec dans l'eau, il ne faut pas la polluer. Ce qui renvoie donc à lui perdre l'humanité, l'élément vital, l'humanité, ce qui va lui faire perdre l'humanité, donc l'élément vital définitivement, on va lui faire perdre l'élément vital, allô, définitivement,
sinon c'est la catastrophe et la disparition de l'État et de la nation. Voyez à peu près le sens politico de la question où il va. Donc on doit arrêter ce phénomène. Comme résumé de la question, aussi ça répond à la première question dont on a commencé à dire, voilà, il faut faire de l'union de bâtisseurs, de constructeurs, dans le bon sens objectif et scientifique, pour sauver la patrie et aller avec notre société à édifier ce qu'il faut, à lui donner ce qu'il lui faut. Raïtchouf, bledna, abr, akfar marabayn karn, ou rjal harbou aliha, ou harrouha, ou hna bi'ouha, min sa'abi, an tunadila wa an tuharib l'adou, walakin min l'as'abi, والأخطر أن تتلاشى قوتك وتضعف بعد الاستقلال وتستدعي من جديد الأجنبي ليستعمرك. ذلك ما وقع لنا ويقع عبر القرون والدهور. Monsieur Abdi, je vous remercie vivement pour cette conférence que nous trouvons très intéressante, rempli d'informations, et ça donne envie de encore de questionner et chercher encore. Nous avons plein de questions, plein de commentaires. Je ne sais pas si on va passer directement aux questions ou bien Shahrazad a quelques photos à montrer. Qu'en pensez-vous? J'ai une question très qui me... Bon, je passe à la première question. Je remercie aussi le spectateur. Je passe à la première question, mais me semble c'est avec tous les respects que je dois à notre internaute qui nous suit, et il est en parallèle avec une conférence en parallèle. Il a copié-collé un texte où il parle du mot, enfin le terme zouave. Il insiste et persiste. Il dit que ce mot zouave est un mot berbère. Il est étroitement lié à la tribu de Zouawa. Ça veut dire en berbère Zouawa. On doit trancher, Monsieur Abdi. À votre avis, selon les documents que vous avez, vos références, est-ce que c'est vrai que le mot Zouawa est un mot berbère qui veut dire, excusez-moi, est-ce que le mot Zouave est un mot berbère qui veut dire Zouawa? Pour moi, je ne vois aucune liaison dans le mot étymologiquement, ni en toponymie. En la vérité, elle doit être un linguiste. Le monsieur qui veut parler de la langue que Zouawa, les Zouaves sont de commodité, ils sont issus d'une certaine articulation linguistique, il doit être un linguiste. S'il peut être un linguistique, il n'a qu'à m'expliquer le radical du mot Zouawa. Zouawa, on va le trouver avec Z, O, donc on va retirer un peu les voyelles pour le trouver. Ouwa, ouwa, il n'y a que wa, W si on veut, Z, Zou, Zou. Zou, il peut être configuratif avec Zou, qui dans un certain dialecte berbère, ça veut dire les cheveux. Donc Zou, oui. Maintenant, si on veut Yizoua, si on le dit dans les oiseaux, c'est gazouille à peu près Yizoua. On le dit même dans l'arabe dialectal, Zoua al-Farq. Le débat que le Zoua, Zouazouille Wahed ou Met, c'est un peu dur ayot, apostrophe. À part ça, on ne trouve aucune liaison toponymique, ni étymologique envers Zouawa et Zouaou. Maintenant, on a dit avant, le monsieur peut-être qu'il n'a pas écouté ce que je venais de traiter, d'analyser dans le mot. On a dit que Zouawa n'était jamais appelé Zouawa, iti igawawen. Trouvez-moi igawawen dans Zouawa. Zouawa, c'est une appellation arabe qu'on a donnée. Zouawa, c'est une cassure, c'est une adoption, c'est une... Même à Constantine, monsieur Abdi à Constantine, on connaît très bien Gawawa. Gawawa, sont connus, oui, voilà. Des marchands qui venaient vendre, etc. Oui, voilà, Marofa. Donc, Zouawa a dit, voilà, très bien. Maintenant, si on prend que Zouawa ou Gawawa, Zouawa, il est de Zouave. On a dit historiquement que Zouave existait en 1724. Si on remonte encore la chose, on va la retrouver dans les morts que venaient de l'Espagne. C'est les morts qui ont appelé les militaires, on les appelait Suèves, tout en les confondant avec l'ancienne armée d'Antal.
une partie des vandales qu'on appelait comme ça, comme disons aujourd'hui, qui étaient appelés Suev, avec S-U-E-V-E-S. Le monsieur ne connaît pas ça. Je venais de le donner aujourd'hui. Donc, ça remonte à Suev. Donc, historiquement, il n'est pas lié directement à Zouawa. Et puis, on a donné que les guerres acharnées, corps à corps. Je venais de lire que le colonel Corrobert parlait de corps à corps. Parler du sommet de Jurjura et d'Ibni, j'avais cité le nom, d'Ibni Likesh et de partout, que les guerres qui étaient tenues, qui étaient entre l'Izouavi et l'Izouawa, c'est de l'incroyable. C'est la plus grande sol qui a vécu la mer d'Izouave. Comment veux-tu que Zouawa se colle à Zouawa dans l'appellation? Sinon, on va changer d'appellation. C'est moi-même, Abdi, qui fait le mal par mon nom Abdi. Je vais le changer, je vais me faire appeler Abdou. Aussi bien pour Zouawa, si c'est le mot qui dérange les gens, on va changer, on va dire Arbeili, on va dire Berbère du Nord, n'importe quel mot. Et comme ça, on finit avec le sens de Zouawa lié, qu'on veut faire lier malgré nous, et malgré la réalité, l'histoire et la géographie, on veut la coller carrément d'un certain prétexte politique, de juger vers une politique différente. Stop, un cas où moi, j'arrive à reconnaître les gens s'ils sont vraiment de franchise. S'ils veulent dire pourquoi les Kabyles nous devancent, alors ils retendent, ils te devancent, puisque les Kabyles étaient sur le terrain proche de la capitale Ouada, étaient des immigrés plus que toi sur le sens du nombre à ce jour et à travers la planète. Ils étaient des intellectuels depuis le temps immémorial. Ils avaient fait toutes les économies de Mohamed Al-Ajroum, de Kada, Mouloud Qassem El-Barh et l'autre. Les intellectuels d'Algérie font une grande force de la Kabylie. Oui, dès qu'un tahdar, Alain Foum, l'Ora l'Arabie, ils étaient des grands de temps de Moyen-Âge à nos jours. On peut citer beaucoup. وفي فراد او ديما يهضر دكتور فراد على الحقيقه القبائليه تاع الجامعه تاع الجايه وتاع كذا دون لو طون يتلبساني اوتر انا في بوكو دو بارمي بالرقيق كوم هيستوريان دو بارمي اوتر جي با سيتي لي نو سي با لو مومون دونك لي كابيلي تي اون فورس انتيليكتويل اون فورس ميليتار اون فورس دو ريزيستونس اون فورس داديسيون عندكم حظ جي بي عندكم سي بور مون بواي مو اوسي عندكم حظ كو لا زون تاعكم مازالت دون بون كونفيديراسيون sur une partie, hein, pas totalement, hein, puisqu'on l'a brisé en mille morceaux. Mais il continue quand même à faire le poids politique, social, culturel, économique. C'est ça qui lui donne la chance qu'il soit attaqué par ses ennemis. Ses ennemis, pas forcément des ennemis. Ses des frères, ses deux, ses fils, peut-être même Kabyle, qui l'attaque vis-à-vis de vrai égocentrisme, l'égoïsme. Moi, je le vis envers mes proches. Monsieur Abdi, dans la mémoire collective, selon ce que nos parents nous ont rapporté, par exemple nos grands-parents, et même à l'est, Chahara elle est du centre d'Alger, etc. À l'est, à Constantine, il y avait Kenin Zouef. Zouef, inconsciemment, il disait le soldat étranger ou celui qui percevait un salaire pour servir une armée, celle de l'occupant. Et c'est un mélange de nationalités. Les Zouef, les Kenoum Oujidin Foursantena, Kenoum Tsultain Spagnol, Kenoum Kul, Kenoum Grec, Kenoum Spagnol, Kenoum Français, Kenoum Tlaïn, donc, ou Kenoum Chi Moujoud, Moujoud Filmedina, Ajna, Hadouk, les chevaliers, les Kenoum Nesli Sekni Foursantena, ils chevaient la remonte, Kent la caserne des Zouef, Marofin Bzef, ou Kenoum Hed Zouef, Meshi Kbeil, Kenoum toutes les nationalités Moujoudin Fion, ou Kenou, si on peut dire ça, c'était une goulou mercenaire, parce que Kenou, c'est le coup, il y a l'armée française. Voilà, donc on passe à autre chose, peut-être Chahra a une question. Moi, je veux juste, parce que la personne qui a écrit la question, bien sûr, des références étrangères françaises. Monsieur Abdi, il est temps qu'on écrit notre histoire, Monsieur Abdi. Et ne plus prendre les choses que les Français ou les autres ont écrit sur nous. Moi, c'est le vainqueur qui avait toujours fait de l'histoire. C'est pas le vaincu. Le vaincu est toujours à son détriment. Ça se fait l'écrit. Donc, c'est de là découle le sens de la faiblesse. Lorsqu'on parle de la Caïna,
la Taïna à l'âge de 127 ans, il aurait aimé Uqba, il aurait aimé Khaled. Voilà où on rencontre encore des bizarreries. On rencontre des conneries. Il est grand temps que l'Algérie s'y met. Il faut faire un travail minutieux sur notre histoire. Il faut que la science aussi soit mêlée à cette. Parce que Rana fait le hikayet, ça elle faut lire. Kulli yji yqdar yahki wach yhab. Je vais prendre une autre question. Le même internaute. مانيش عارفة يهضر لي يهضرنا على أحمد مقراني بير دو الشيخ المقراني خليفة دو مجانا صوف كوم غيد غارون اي غارون دو لونتربريز دو كولون فرانسيز لون فونون دالجي اي لا سكوند دو كونستانتين مانيش عارفة دانسي كور يحدادن اللي هي كلك شوز دو سكري كون جامي بارلي يحدادن كوم فامي على لوريجين لوانتان رومونتي ا ماسكارا Il était venu se coller, puisque les tribus, ce n'est que des confréries, des confédérations, des guerres parfois, et parfois c'est un peu le soutien qui a donné que différentes zones de l'Algérie étaient configuratives en elles-mêmes. Je peux trouver la même tribu à Oran comme il est à Alger depuis le temps immémorial, en Kabylie. Donc, là, dans leur origine lointaine, venait de Mascara. Et toute la wilaya de Mascara, sans exception, est berbère. Que soit le Hachm, que soit Bni Ifrin, que soit l'Amir Abdelkader en personne, démontré par Warnier en 1800, donc il était un docteur, il a fait des vaccinations dans la zone, il était à la station de Mascara, il n'y a pas de quelqu'un plus proche d'Amir Abdelkader comme Roche et Warnier. Warnier le donnait nommément et définitivement et clairement que c'est un barbare. Mais lui-même, l'amir Abdelkader, qui est en Boise, en France, il donnait ses origines et sa généalogie en remontant l'Idriss l'Asghar. Idriss l'Akbar ou Idriss l'Asghar, vous connaissez. Idriss l'Asghar, Idriss l'Akbar, Ibn Abdelkader, Ibn Hassan Moutenna, Ibn Hassan Sabat, Ibn Ali, Ibn Abdelkader, pour dire chérifien, ou Fatima bint Zohra, ou Fatima bint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il est chérifien. Voilà, voilà. Puisque lorsqu'il a fait le pèlerinage avec son père, Mahiddin, à l'âge de 8 ans, il a accompagné son père à Dama. Puis, souriant, il a rencontré quelqu'un qui se donnait l'idée, les grands connaisseurs, ils voient même des révélations. C'est comme quelqu'un proche de la prophétie, qui lui disait, attention, ton fils là, qui garde la chamelle, va être un grand, il va être un patron, si c'est pas un prince et un roi, il faut en tenir compte, il faut en tenir soin. Et c'est comme ça que dans sa tête s'y fait intégrer l'arabité et le fond de shérifi afin qu'il soit à la tête. Il est devenu. Et c'est comme ça que Mouhiddin a pu gagner les Bani Rachid, les Bani Hashm, les Hashm de Mascara et les Gouatan aussi. Puisqu'il était Gouatan, le Gouatan ça vient de Khim à la tente. Il les a gagnés, regroupés pour élire son fils Amir. Et c'est comme ça, puisqu'il était âgé, ne pourrait plus continuer dans la révolution. Il a fait, mais voilà l'Amir Abdelkader lui-même berbère. Et toute Mascara est berbère. Là, c'est la famille dont on disait qu'elle était venue du Maroc pour se fixer avec les Hachm. Mais elle-même se trouvait berbère. Je ne vais pas aller aux Idrissides du Maroc, sinon je vais vous donner scientifiquement qu'on n'a rien que seule la personne d'Idriss qui est venue maintenant. Quand n'importe arbre généalogique, je vais le donner en cette émission. Puis je suis un peu de la spécialité. Si on veut remonter de moi jusqu'à Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, en comptant sur ce qu'a donné Ibn Khaldoun qui est véridique. Sur chaque siècle, il y a au moins 4 mariages. Multiplié par 14 siècles, ça va donner au moins minimum 56 ancêtres. Il n'y a aucun arbre généalogique au niveau du Grand Maghreb qui donne 60 ancêtres pour aller au Mouhamed. Tous, à mon avis, vu au moins une trentaine. Au moins une trentaine. Au Sahara, à Biskra, dans les Aurès, en Kabylie et partout. Ou parfois, un grand ancêtre s'appelle du Sanhazi, où ils disent arabes descendants de Mohammed. Voilà. Donc, si on compte sur ça, le meilleur, l'amir Abdelkader n'avait que 26 ancêtres qui remontent vers Idrissid. Et d'autres avaient 24 et d'autres 20. Il n'y a aucun arbre généalogique qui est bâti sur 60. Même les arbres généalogiques avaient caché. Même ce qu'on a ramené de l'Arabie Saoudite. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il y aurait des preuves sur le fait que, par exemple, le fils de Mokrani serait devenu un guide pour le colon? Absolument pas.
Ok, on passe à une autre question. Je vais reprendre deux lignes de la question. Si Zawiya Boukbrahim, les Hua Abdrahman Zarzari, le connu sous l'appellation Abdrahman Zarzari, avait fait le Caire d'Er l'Azhar, de retour de l'Azhar, il a créé la Zawiya Rahmania. Et moi aussi, je fais partie de cette Zawiya Rahmania comme Ahmed et autres. J'étais aussi le responsable du FFS, premier secrétaire de Biscay dans le FFS, comme ailleurs. Donc, je vais revenir à ça, c'est pas la question d'appartenir, puis c'est mes idées qui sont là. C'est pas l'appartenance à un fidèle, à quelqu'un de nationalisme qui m'a ébloui, c'est la vérité de sa culture nationaliste, socialiste, intéressante, avec principe de défendre la raison au-delà de tout objet matériel, qui m'a poussé à croire non plus à ses idées, à mes idées elles-mêmes, puisqu'on se retrouve dans les mêmes idées, comme je l'étais avec Mouloud Khasm sur pas mal de points, où il m'appelait mon fidèle fils, mon fils, mon élève le plus sérieux, quelque chose comme ça. Donc voilà ma question. Et le Mokrani qui est descendant, ou bien Zawiya, Rahmania. Là, on n'a pas à se parler. Il est Rahmania. Rahmania, elle descend de son ancêtre, là, Abdrahman Zarzari, comme fikr. Je parle aujourd'hui comme idée et pensée. Moi, sa filiation, c'est la filiation hérésie et religion et culture, ils ont ensemble. Donc, le Mokrani remonte à ça. Le Mokrani, il avait défendu la raison de la zone contre le colonialiste, c'est des guerres qui étaient éclatées, et ça fait entraîner même en Maurès. En 71, du côté de Batna, ça a été déclenché. Une certaine bataille au Qatran du côté de Marwana. Autant de 71, mais on a caché ces vérités. Un peu partout, le Mokrani a pu étendre sa politique de défendre, sa politique de résistance contre la France. Et puis, il était prisonnier là-bas. À Cayenne et autres, il était prisonnier de guerre. Il a pu, à Kazi, si je me rappelle, il était même prisonnier ailleurs, il a pu s'évader en tenant par l'Asie et en venant à l'Arabie Saoudite. Et en arrivant à l'Arabie Saoudite, il a créé un siège politique où il recevait de Tunisie, de la Libye, de l'Algérie et du Maroc des éléments révolutionnaires à qui il inculquait les idées pour aller contre la France. Et la France, comme il a su ça, il n'a pas pu l'attraper, il l'a jugé d'utilité pour lui dire, pour lui accepter de rentrer chez lui, de son dit. Donc là, c'est une partie de la question. C'est comme Sadrul Hajj, Annad Zawiya Rahmani aussi, en 1858, parce qu'il était dans les Aurès, c'est l'équivalent. On a vécu toutes les morts. Il était prisonnier à Sardaigne, et puis mort à l'Harras, vieux de l'âge. On l'a transporté sur le Doutan, de l'Harras jusqu'à Mzir'a Biskra, pour l'enterrer. Sadrul Hajj, il s'est attaqué, à Tibermessine, c'est la Zawiya Rahmania, il s'est attaqué contre la France, contre Saint-Germain, et contre les Français à Biskra. C'était aussi. Voilà ce qui était. Samy Tchaoui, qui était dans les rangs, à Biskra, contre Saint-Germain. La question et l'histoire le donnent. Donc, nous étions toujours là pour défendre notre patrie. Qu'il soit Mokrani, qu'il soit autre. Là, on n'a pas, c'est pas à d'autres de nous juger. Si quelque chose provient de nous-mêmes, entre Zawiya et Zawiya, entre tribu et tribu, entre zone et zone, Zawiya et Kabir, oui, on peut l'accepter, on peut le débattre. Mais si quelqu'un qui est loin de tout champ, de toute reconnaissance, de tout savoir, de toute histoire, il n'était jamais un intellectuel, il n'était jamais quelqu'un de fort caractère, il s'attaque, c'est-à-dire c'est comme une fourmi qui veut s'attaquer à un lion. Pouvez-vous accepter ce genre de débat ou ce genre de duel? Non, c'est pas possible. On peut pas faire remonter une minuscule créature contre. Sinon, on va dire que le diable est fort et peut attaquer par le nombre qui est là aujourd'hui d'adhérents sur la planète, 4-5 milliards de Bachar et Shalboshra, donc le diable est plus supérieur à l'Arbi, puisqu'Arbi n'a que 2 milliards, l'Okhra Ndorba Amalaya. Est-ce que cela est bien? Non. Un être humain, seul prophète, peut transmettre un bon discours humanitaire et culturel et scientifique de bienfaisance, peut aller apprendre toute la société humaine au profit de l'humanisme. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité qui compte.
لهذا في القرآن جت فئة قليلة تغلب فئة كبيرة، لهذا جت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وجكر ربي سير باتيكان يقول لا يوجد في الخلق مثل خير من الألف إلا في البشر. On l'être humain, un peut faire valoir 1000, peut faire valoir 1 milliard. Marx, ce n'est pas tout le monde qui est Marx. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète Mohammed. Mohammed, c'est 1 milliard ou 500 millions. Muslim, il est moujoudin, 1 milliard ou 500 millions. Wallah, mais dire, ouais, le but de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Avec ses valeurs, avec ses comportements, avec son sens de conduite. Je suis pas là pour parler de vérité, entre vérité et mensonge et culture et tout ce qui trompe et tout ce qui dit, se dit. Puisque là, c'est un autre sujet, c'est une autre discussion. Puisque Bert, Sharia l'islamia, Kalim al-Asri, je peux en débattre de la question de l'islam à travers 17 matières de ma formation dans la religion. Mais c'est pas la question. Là, c'est une autre question de l'islam et de la pratique de l'islam. Mais nous sommes loin de la pratique. حنا مسلم انا لا بور بروندر دي بريداتور ما لعبناش مسلم رانا في مس ولب متر دون لا بوش مازال ما لعبناش الايمانيه Monsieur Abdi, j'ai une autre question d'ordre culture générale. Vous avez dit lors de la conférence que le nom de Zaïre vient de Dez. Zaïre. Zaïre. Zaïre, c'est l'ancêtre de la tribu Houara, la tribu de Libye, comment on l'appelle, je viens de le perdre. Mzeta, yeah. Aujourd'hui, il existe du côté de Blida, comme à Marouana, comme à Kairawan, comme en Libye du côté de Tripoli, comme en Égypte du côté du Caire, Mzeta. Sinon, c'est une tribu, oui. C'est comme les Nouata. Ils étaient en considération avec les Nouata. Jiddhom, leur ancêtre s'appelait Zaïre. On les appelait Zaïre. Et lorsqu'ils les ont massacrés dans des guerres, il y avait toujours des guerres, ils avaient massacré, ils se disent Zaïre. Yani, ils disent Zaïre. Yani, ils l'ictent les Zaïre. Le vainqueur des Zaïre. Attends, Zaïre. Ok. Ediz, ça veut dire. Ediz, moi, je dis ça. Il a tué notre ancêtre. Pion. Et parce que c'est une Algéroise et elle demande est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait lire là-dessus. La référence, oui. Pour la référence, t'qra, donc le livre de la page n'est pas devant moi, c'est vers 70-80 du livre chronique de Abu Zakaria. Qui est un Laurassien dans l'ancien temps, détaché comme tribu de l'Aurassilisme Amsab, c'est pas Mized, Bnimzab, c'est Msab, Saba. Saba, c'est la récolte. Saba, la culture. Saba, Asab, Saba, Zeb, Zeb, Nufsou, il vient de Saba. Zeb, Sharqi, Zeb, l'Arabi, ça vient de Saba. Saba, c'était le territoire de Bani Mizab dans le temps. D'accord. Donc, Saba, là, Hada, c'est un Mouzabite, qui était de la tribu Nekaria. Soufaria, Nikaria, dans le temps, qu'on appelait les Soufarites, c'est une hérésie. L'écrivain. Ouais, c'est comme orthodoxie. Ouais. Hérésie. Tu trouvais ça, Faisas? Il était à Wergla, le mec. Le livre de Taubqa, on a appelé Émile Mascuré. En 1876, il l'a repris, on l'appelle la chronique de Abu Zakaria. Pour le trouver en direct, il l'a catapé à Sidlis, le site de mon fils dont j'ai parlé, à Sidlis, amazir.com. Il va trouver 450 livres de parmi la chronique de Abu Zakaria. Il n'a qu'à le télécharger pour lire. Oui, il est directement le texte. Il est là. Quel gars comment les Iris avaient attaqué les Aïres. Les Aïres. Le Hamish. Et de là découle le sens de faire l'articulation. Très bien. Donc, Faiza, tu n'as qu'à lire les chroniques d'Abu Zakaria. Et pourquoi je dis ça? Puis c'était la même année. Lorsqu'on a massacré les Aïres, en 973, Kalji a été construite par Ziri, par Bolorin Bouziri. Très bien. Oui. Donc, Zaïre, c'est le nom d'un ancêtre d'une tribu qui a été tuée. Mais où sont les tués? C'est toute une tribu. Il a massacré, Zaïre. Il a massacré les appartenants à leur ancêtre Zaïre. Zaïre. Donc, Zaïre. Il a massacré Aïr, l'intemouliade. Très bien. Très intéressant. Donc, Faiza, voici Malik Gertzkaraï, les chroniques d'Abu Zakaria. C'est dans les pages... Pour complémentarité. Pour complémentarité, c'est Tkaraï Ibn Raqiq. Ibn Raqiq, il est de la tribu de Ziri. Il est Snaji.
الرقيق الفابيرونسينيد سكيتي دو ليستوار وتقرا تاع الارب تاع النويري كي تقرا النويري تفهم الامور وبنو خلدون تفهم الامور تروح لبن الرقيق دونك بنو خلدون الى دريد الى بريد بن الرقيق وكي تقرا بن الرقيق تقرا دون لا ميم دو ميم سيكل سي فير 1900 اي كلك كو سا ايتي كري لو ليفر دو ابو زكريا صدق قبل بنو خلدون فهمتي كيفاش لا فات صار مو تري لوان فوالا Donc très bien, ça nous semble, c'est fantastique et ça donne envie de lire ce livre quand même pour mieux comprendre le, d'où vient le mot. On s'est tous à un moment donné posé la question d'où vient ce mot Al-Jazair. Donc invraisemblablement, ça serait venu de voilà. Donc voici la réponse pour toi, Faiza. Et puis. Shahara, tu voudrais passer des photos ou là Si, j'ai quelques photos que j'ai trouvées sur l'internet sur les zouaves. C'est juste très bien. Pour montrer un peu les différentes unités de zouaves à travers le monde, parce qu'ils existent aussi dans d'autres pays comme les États-Unis. Des groupes, des unités militaires qui sont appelées zouaves aussi ailleurs dans d'autres pays étrangers. Oui. C'est formidable. La tenue a été créée en 1830, mais était aussi renouvelée dans le même, la même texture en 1914. Oui. Donc, j'ai une autre question pour vous, Monsieur Abdi. Alors qu'on regarde les photos, Andna Hayet, elle dit « Je constate que l'Algérie, ou plutôt le politique, a un problème de concept employé à tort. Est-ce dû à un manque de culture générale ou à la négligence de la lecture et l'écriture de l'histoire ?» Merci de me répondre. Les deux à la fois, c'est-à-dire d'un côté un manque culturel important et qui s'est manifesté surtout lorsqu'on a arabisé. Dans la culture française, on a porté beaucoup plus de choses honorables pour le colonisateur, bien sûr, au profit de la France et la francisation et la chrétienté. Et lorsqu'on a voulu islamiser un peu à la modernité, on s'est dépluché du fond de l'islam pour aller au phénomène politique de l'islam, l'islamisme au détriment de l'islam. C'est là où on a perdu un peu la vérité des concepts et on est devenu beaucoup plus arabiste que musulman. Autrement dit, dans les mosquées, lorsqu'on entend en faisant la prière, on dit « Mohammed sallallahu alayhi wa sallam » et tout le monde qui dit « sallallahu alayhi wa sallam » sans comprendre même le fond. Et lorsqu'on dit Allah Ta'ala, aucun ne dit Jalla Jalalu, Azzat Qudratu, Azzam Qawwatu. Ou Rabbi, dans le Coran, il dit Idha Dhukir Allah, Wajilt Qulubuhum. Lorsqu'on cite le bon Dieu, c'est le Dieu qui le dit lui-même, lorsqu'on cite le bon Dieu, tu dois être, comment dirais-je, sous la force de la soumission totale, même en pleurant ou en reconnaissant la vérité du Créateur. Mais beaucoup plus on se donne à la créature au détriment du Créateur. Là, c'est l'islamisme qui s'applique, Belkoumi al-Urubiya, avec un certain sens de vitesse zéro, dans une personnalité qui n'a pas fait beaucoup dans l'histoire de l'islam, contre les vrais musulmans qui étaient tort à travers les plus savants, les plus créateurs, les plus inventeurs, les plus gestionnaires et gérants des États, militaires que civils, et à travers les siècles. On a fait la déperdition de la vérité envers le mensonge. C'est une culture arabe qui vient d'un sens de manque de savoir. Tout en prenant l'ajami fil arabi, tout ce qui est non arabe est détourné, est enterré, et on prend l'arabité au détriment du savoir. Tel qu'Aïsil, c'est l'ulama al-arabe, tel qu'Aïsil, Ibn Sina, ou al-Farabi, ou Ibn Rushd, qui n'était jamais arabe. Voilà. Pourquoi qu'on a voulu que tout le monde soit arabe? Hatta qui te boulons, shaitan, il boulons, qu'on va mal à l'autre chemin. C'est trop dit, mais c'est la vérité en quelque sorte. Lorsqu'on a grandi, on l'amplifie, le tout est arabe. Non, c'est de l'erreur de la culture. Politique aussi, les pouvoirs en place avaient toujours encouragé une politique qui va à leur côté. C'est prendre la société
contre l'intellectuel, puisque l'intellectuel peut-être qu'il va critiquer le pouvoir en place. Merci. Très bien. On vous remercie et je vais céder la parole à Shahra, excusez-moi. Shahra qui va commenter maintenant les photos. Voilà, donc là, c'est juste des photos que j'ai trouvées. C'est faites par une série de frères d'armes. Donc là, par exemple, on voit très bien que c'est des zouaves, mais qui sont européens. Donc, ils ont juste la tenue tahom avec les pantalons larges et les belles couleurs qui attirent tout le monde. D'ailleurs, ces tenues ont attiré partout les gens. Ici aussi, l'armée française, qui est toujours les régiments des zouaves, c'est, comme vous voyez, donc les vestes qui sont maintenant très à la mode, qui, comme j'avais déjà dit dans l'introduction, que même Hermès utilise ses vestes et les designs trend, yani, c'est utilisé dans tout ce qui est mode, les pantalons zouaves et les jaquettes zouaves. Aussi, on a d'autres musiques militaires françaises, comme vous savez, donc ils étaient très connus pour leur musique qu'ils avaient aussi, donc voilà, là aussi c'est d'autres, on voit bien que c'est un mélange de races dans les visages des personnes aussi. Ici aussi, c'est d'autres images qui ont été qui représentent bien des visages un peu de tout. On voit bien ici des Arabes et peut-être, comme vous avez dit, d'autres races, français ou espagnol ou italien, etc. La marche du premier zouave, ça c'est une des premières photos pour représenter les zouaves, Tenit. Aussi, une série de photos, Tenit, qui représentent un peu, comme on voit bien, ça se voit que c'est un mélange de noirs, comme vous avez dit, ou d'européens, ou de blancs, etc. Netanyahu, c'est une autre photo. Donc, durant leur marche et leur lutte, ils étaient très connus dans le monde entier parce que après, d'autres militaires de partout ont copié leur tenue, ont utilisé leur tenue parce qu'elles étaient belles et elles étaient très confortables à cause des pantalons qui sont larges. Donc, pour les militaires, ils ont trouvé que c'était une tenue très confortable qui a été utilisée dans d'autres pays dans le monde. Là, on nous montre des zouaves qui ont été gradés avec des légions d'honneur, etc. Et puis, j'ai même lu que la mosquée de Paris a été construite grâce à toute la bravoure des zouaves qui ont été, et tout ce qu'ils ont gagné comme guerre à travers l'Europe. C'est pour ça que la France, Zama, elle avait décidé de construire la mosquée de Paris. Et là encore, on nous montre au Vietnam, la guerre de Tonkin, au Vietnam avec des zouaves tenues, avec leurs tenues, etc. et leurs... voilà, ici encore, c'est toujours les guerres au Vietnam. Et puis, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais j'ai perdu d'autres. Stop. Voilà, c'est tout ce que j'ai. J'avais d'autres photos que je voulais montrer pour les tenues américaines qu'ils avaient. Il y avait des tenues américaines, mais que j'arrive pas à passer. Je vois pas pourquoi. Non, j'arrive pas à les retrouver parce que j'avais d'autres tenues. Parce que les soldats américains avaient utilisé, ils avaient utilisé. Les tenues des zouaves pour, par exemple, des unités américaines de Louisiana a utilisé la même tenue qui est toujours célébrée de nos jours,
qui a été prise des Zouaves du nord de l'Afrique. Donc, ces tenues ont été copiées partout dans différentes parties de dans différentes parties de la terre, dans différents dans différentes militaires units à travers le monde, qui ont copié ces tenues qui étaient belles et confortables. Et aussi, ça rappelle des unités qui étaient très fortes et qui gagnaient toujours dans les batailles. Voilà. Merci. Je vous montre ça. On t'entend pas, Mariam. Il faut ton micro. Mariam, ton micro. Okay, it's fine. Shall we share the song? Oui, oui, ça serait bien d'écouter la chanson que un peu, on peut écouter un peu de la chanson que chantait à cette époque-là. Leur voilà. Donc, Peshness, il fait mot. Connaître, oui, oui. Au moins pour connaître, qui était de leur hymne en leur temps historique. Aujourd'hui, nous sommes un peu souverains dans notre pays. On peut les écouter comme histoire. Hadi Ournia, تاع الجيش هذا الاستعماري. اغنيه هذه متخصصه للزواف اللي تغني وتناشد الاستعمار وكيفاش يعني دخلوا لافريقيا رغم النار ورغم الدم وكل هذا في خاطر العالم الفرنسي والاستعمار التوسعي ايتترا. اون فاي كوتي انسمبل لا شانسون ومن بعد نحكيوا عليها. اوكي كانت هذه عينه في اون بارتي جزء من الاغنيه نتاع الزواف اللي يقولوا Ils disent en français, sous le soleil brûlant de l'Algérie, notre étendard flottait calme et vainqueur. Au cri d'appel de la mère patrie, du nord, il vole affronter la rigueur. Va déployer au vent de la Crimée, tes plis sacrés, ô mon noble drapeau, déjà noirci de poudre et de fumée, au premier rang, tu seras le plus beau. Voilà, donc je m'arrête là. Belek je khalli Monsieur Abdi يعلق على هاد على هادي وراحين نغلقوا اللقاء هذا. بالك شنو نديروا استنتاج وقيلا نحاولوا حنا نغلقوا هاد الملف ولا نفتحوا للدراسه ولا سي عبدي واش تفكر؟ والله بالنسبه للانشوده هي انشوده حقيقه دونك سي تني من كي concernés dans leur temps, ils avaient raison de chanter ça, c'était un descriptif réel, ce qu'ils avaient fait tout à travers, c'était de la bravoure, et ils chantaient aussi le sens d'héroïsme, de gagner les guerres et les batailles tout à travers, ils avaient parlé même de crimes, comme je venais de le dire, en 1854, transportés là-bas de la guerre très connue, donc ce qui est un peu honorable à leur corps et à l'armée française. Et pour nous, nous sommes souverains aujourd'hui, après 62, souverains militairement moi. Donc, on n'a pas à avoir peur de dire les vérités historiques et écouter notre ennemi,
qu'il soit ici ou ailleurs. Le contraire, c'est à partir de la nuit qu'apparaisse la journée. C'est à partir des discussions que jaillit la lumière. C'est à partir de contrastes envers d'autres que je vais me situer, me positionner dans l'hybridité. Donc la chanson était descriptive, réelle, avec une voix terrible qui donne un peu à avoir peur. C'est comme des soldats qui passent déjà en acte lorsqu'on écoute leur manière de la réciter. On y comprend qu'ils sont vraiment des fidèles à leur corps. Ils se donnaient en âme et en corps. Donc voilà ce qui laisse de la reconnaissance encore. Encore avec eux. Très bien, donc كاينين اللي قاعدين يتبعوا فينا اللي يضحك اللي يتهم الى بصح لا حنا بالكش هذه ماناش اول فرصه ماهوش ممكن ماش اول مبادره ولكن يظهر لي بلي الجزائري درك تخطى عقبه هذاك الطابو والخوف ونواجهوا تاريخنا بصدر رحب ونهزوا اللي خدمناه مليح نفرحوا به والاخطاء تاعنا اذا اخطانا ولا مشينا مش ندرسوها بطريقه موضوعيه وباش ما نعاودوش الاخطاء ونشوفوا كيفاش المجتمعات الاخرى نجحت كيفاش يعني تفتخر بتاريخها لكن ما تخبيش واش كان يعني واش نسميه احنا عار الان ممكن يكون درس نتعلموا منه شهرزاد كاش ما عندك كلمه تضيفيها C'est sûr. Et je me dis, c'est peut-être l'occasion de كتبوا حاجه على les zouaves, monsieur Abdi. Peut-être si vous nous écrivez un article sur les zouaves, on va le partager, on va le passer sur notre page, parce qu'il est temps que les gens, Yannick, te boivent les zouaves, mais si t'accroches, bledna ou t'accroches, chabna akfar, à les idées préconçues, les kent andenams même, donc il est temps que les gens écrivent et instruisent la population. J'en ai essayé ça. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, donc, من ابتداء من هذه المبادرة راح نطالبوا الشباب تاعنا المثقفين وكل شعب الجزائري أن يغير من ثقافته من سلوكه أن يحاول أولا يفهم يبحث يتعلم يسأل ونبتعدوا على هذيك على ثقافة العنصرية ونسميو بعضنا أسماء بالعكس لازمنا نتقفوا ونفهموا لأنه في بعض الأحيان تظهر لنا أننا نعرف أشياء كثيرة ولكن ما نعرف منها يعني من المحيط إلا قطرة ماء نشكر كثيرا السيد عبدي لأنه السيد عبدي بالنسبة لنا موسوعة كل يوم يعلمنا شيء ممكن الناس تسمع شيء تضحك تقول ما هذا يعني تظهر لهم ولكن راحين يبحثوا في الكتب راحين يوجدوا حقائق اللي كانوا ما يعرفوهاش هما اللي يظنوا انهم يعرفوا كل شيء نشكرك مره ثانيه جو ريميرسي فيفمون سي عبدي سي ان اونور دو فوز افوار parmi nous avons eu le privilège de vous avoir ce soir et nous comptons vous avoir hebdomadairement sur des sujets divers, d'ordre culture générale ou histoire. Sur ce, je vous dis au revoir, bonne soirée et à notre prochaine rencontre, Shahra. Avant de terminer, je veux dire, c'est à moi de vous remercier énormément de m'avoir invité sur votre plateau et à travers le Zoom pour qu'on propage un peu une certaine vérité, malgré qu'on ne la détient pas en sa totalité, mais au moins sur le côté alphabétique initial dont on essaie de faire. Mais « ijhal al-jahl »« An ijhal al-jahl »« An lahu jahilan » C'est là où réside le mal. Et puis, il y a des rasoul dont il disait « Al-mujtama'an wa'ani alimun wa muta'allim » Là, ils appartiennent au même volet. « Al-alim wa muta'allim » Je ne suis pas un connaisseur. C'est à travers une fourmi qui va m'apprendre une leçon. C'est à travers l'élève. Ils avaient enseigné le jami'at, le privé, comme à l'administration et les écoles. Et tout ça. Ça m'a appris beaucoup. Mes élèves m'avaient appris beaucoup. Je peux en raconter, sortir des livres. Donc, c'est de là que découle le sens d'un élève peut donner des cours. Blam al-arfo, son professeur. هذه نعطي لكم مثال عليها مون انفو كي طون فرونس اللي في بنك انترناسيونال كريدي ليوني
à l'âge de primaire, il était en cinquième année primaire, il est passé juste à côté de mon logement, fait une école. Le mu'allem a dit à lui, monsieur Aures, il s'appelle Aures, monsieur Aures, Ames. عطونا ثلاثة دول في جوار الجزائر دول عربية إلى نبي سامان سيتي لان دي ميور لا كلاس اون ديزون افي ليكول بريمير دونك فير سيزيام اني بريمير قال لها لا وجود لأي دولة عربية في محيط الدول الجزائرية كلها دولة أمازيغية وإن تحدث البعض منها بالعربية قالت له روح يا سي أوراس تقرب ليها قالت له راك على خطأ على خطأ فادح سيتي دون ليستوار كيف سيتي بربار اوزوردي اللي افري قال لها مبروك مازلنا في خصام عنيد وقوي وما يعرف وين عاد يروح على جل الاصاله وانتم عدمتوها ونحيتوها وتقول لي تنحات مازال ما تنحاتش توت اونيكول لونسومبل لي بروفيسور ايتي ديفوني سين انمي وكونوا مشكل وضربوا عدة مرة مسكيت الوزارة التربية في الموضوع والحمد لله من هنا وصلناه وصلناه بور دير كل ستاد كان الجزائريان فيير دو سا بيرسوناليتي ميم او باج ميم في البريمير اون لاتاك دون سون فون دو لا سيلول سيريبرال اي دون سا سوبور اي دون سا كولتور كي لا بوت اتر انسبيري دو سي بارون كوم سي تي لو كا ميرسي بوكو دو مافوار انفيتي ميرسي سي نو كي فو ريميرسيون شارا دونك ا نوتر بروشين رونكونتر افيك vous. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Surtout, Myriam, il faut qu'on remercie Tanit, nos fidèles auditeurs qui nous suivent. Ils nous suivent, et quel que soit leur commentaire, avec un esprit sportif, merci d'être avec nous. Merci de nous contredire, de poser vos questions. Restez fidèles à notre page. Merci beaucoup. Et donc, Chahara, notre prochaine rencontre, tu dois l'annoncer, c'est la semaine prochaine. C'est le 17 avril. Oui. On va avoir un débat sur la technologie, sur la technologie dans le monde et où est l'Algérie dans cette technologie. La technologie smart technology. Et nous allons peut-être, à partir de jeudi prochain, avoir hebdomadairement M. Abdi pour une demi-heure sur une question d'ordre culture générale, sur un thème qu'il va choisir lui-même. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à notre prochaine rencontre. Merci de nous suivre. Au revoir et à bientôt. Au revoir et bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.